Bonjour, bonjour. Nous sommes jeudi 14 avril 2022. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine se déroule très bien chez vous. Ici, sur 5 sur 7 matin, ça va. Nous sommes au taquet comme d'habitude. Et nous sommes encore là ce jeudi pour parler éducation, pour parler technologie, de l'information et de la communication avec une thématique bien précise pour vous. Prenez le rendez-vous sur le débat de ce jour. Vous le savez, c'est tous les jeudis à partir de 7h30. Mais avant cela, il y a pas mal de rubriques. Constant Dianompon est déjà là, Patrick Diossou est là avec son ami Jean Fandé pour nous présenter la rubrique « L'heure du français ». Alors, vous le savez, tous les matins, il y a l'escale obligatoire, c'est l'escale de l'information en miniature. Voici le Flash Info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce flash d'information. Un nouvel homme est désormais à la tête des forces armées béninoises. Fructueux Baguidi remplace Patrick Haro. C'est désormais lui qui commande les troupes de toutes les forces qui constituent les armées béninoises sur instruction du chef suprême des armées. La cérémonie de prise de commandement a eu lieu ce mardi 12 avril à l'état-major général des forces armées béninoises à Cotonou. Christine Wensavi est choisie comme candidate au poste de secrétaire générale du Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur, CAMES. Sa candidature est soutenue par le chef de l'État, preuve de la détermination sans faille de Patrice Talon à promouvoir la gente féminine au Bénin et même au-delà. À suivre dans nos prochaines éditions le parcours professionnel de la candidate. Les prochaines célébrations de la fête de l'indépendance se feront sans la voix du 1er août 1960. À 94 ans, Richard Agnambosou a tiré sa révérence dans la matinée d'hier, mercredi. Dans les éditions de la journée, vous pourrez suivre l'hommage de la télévision nationale à cette voix éteinte aujourd'hui, mais pour toujours vive dans le cœur de ses auditeurs. Les travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2022 s'ouvrent au Palais des gouverneurs ce jeudi. Cette session pourrait durer plusieurs mois et d'importantes activités sont prévues aussi bien sur le point de la production que celui du contrôle de l'action gouvernementale. C'est un grand rendez-vous constitutionnel pour les députés de la 8e législature. À Lokossa, les agents d'enrôlement au RAVIP laissent leur centre pour descendre dans les rues. Oh non, il n'y a pas grève. C'est plutôt une stratégie face à l'absence d'intérêt initialement observé dans le rang des populations. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis le démarrage de la nouvelle phase d'enrôlement au RAVIP en vue de la réalisation de la liste électorale informatisée LEI et le taux d'enrôlement reste encore faible. Les acteurs du commerce transfrontalier réfléchissent à une meilleure inclusion des commerçants. Venus de 6 pays d'Afrique de l'Ouest, ils ont posé les bases d'une véritable union et intégration pour faciliter la fluidité du commerce transfrontalier. Sur initiative de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, ces acteurs étaient en atelier mardi à Cotonou. On finit avec cette dernière information. Les jeux vidéo font l'objet aujourd'hui d'une grande attraction et sollicitent beaucoup de concentration. Le Bénin va abriter à partir du 23 avril prochain la Coupe d'Afrique des jeux vidéo. L'annonce est faite au travers d'une conférence de presse organisée mardi à Cotonou par les initiateurs. Et ce sera tout pour ce flash d'information. Merci Rodrigue Babagbeto pour le Flash Info de ce matin. Eh bien, juste après ça, nous allons feuilleter un peu les journaux, voir les unes des journaux, histoire de partager avec vous ce qui fait le chou gras de nos canards. Eh bien, la parole du sage également est au rendez-vous. Vous le savez, tous les jours, nous partageons avec vous une parole très inspirante d'un sage. Et aujourd'hui, cette parole nous vient donc de Oscar Wilde. Nous allons en parler.
parler dans un instant. Bien sûr, sous nos routes, Constant Dianoko est là pour nous parler un peu de la courtoisie au volant. C'est la thématique du jour. Retrouvez donc à 7h15 également la rubrique Femina avec Rebecca Kendjian-Houndé, une visite, une rubrique, j'allais dire, qui va aujourd'hui à la découverte de Caroline. Caroline, bien sûr, qui est ambassadrice de marque. Nous allons découvrir dans cette émission tout ce qu'elle fait d'ingénieux et qui lui a valu, on va dire quoi, les projecteurs donc de l'ORTB. Restez avec nous, une petite pause en attendant de feuilleter les journaux. C'était donc la parenthèse pub de ce matin. Que disent à présent les journaux? Eh bien, nous en avons quelques-uns avec nous. Les unes des journaux Matin Libre, voilà, qui titre à Yvan, le chemin de croix d'un démocrate. Et puis, attaque terroriste dans le septentrion, l'ambassade de Turquie compatit. Et Matin Libre qui parle également de la guerre en Ukraine qui met en péril la reprise du commerce mondial. Alors, la une à présent de votre journal, les quatre vérités. Visite des ouvrages construits par MCA à Cotonou et à Bomé-Calavi, de l'énergie en quantité et en qualité pour accélérer la croissance économique au Bénin. Eh bien, c'est à lire en une donc de votre journal, les quatre vérités. Activité de vente par tempérament ou à Dogbé, AFED rentre en partenariat avec le groupe Fénou et garantit les intérêts des clients. Voilà donc pour le journal Les Quatre Vérités. Gaskiani Info, à présent l'inflation du nombre de mandats à l'Assemblée nationale, l'incertitude gagne le rang des députés. C'est l'actualité de ces derniers jours. Eh bien, si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez donc pas à feuilleter cette une donc de Gaskiani Info, qui parle également de l'échec progressif de la réforme du système partisan. Le verre est dans le fruit. Port des lunettes à tout prix au Bénin entre mode et nécessité. Et puis phase nationale du championnat de Tchoukball, sniper de Cotonou, sacré champion. Le matinal, Afrique de l'Ouest, des actions concertées annoncées contre le terrorisme. Ce journal, donc le matinal, nous parle de l'initiative d'Accra à la manœuvre. Prorogation du délai d'enrôlement à la LEI, les partis politiques entre satisfaction et inquiétude. La Nation qui fait un zoom sur les législatives 2023. Encore 9 jours pour s'assurer une place sur la LEI. Le délai de l'opération prorogé au 22 avril. Et on parle aussi de l'état-major des forces armées béninoises, le nouveau commandement en place. Les journaux parus ce matin, Fraternité, réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Eh bien, le dernier virage amorcé, c'est les 77 SE secrétaires exécutifs outillés ce jour pour leur nouvelle fonction, les chefs services tirés au sort dès demain. C'est à la une donc de votre quotidien Fraternité. Et puis, paradigme politique au Bénin, fatalité et populisme à l'épreuve du développement. Voilà pour la une de ce matin. Eh bien, voilà, j'espère que vous avez à présent une petite idée de ce qui fait l'actualité nationale. Et c'est l'exercice auquel on se consacre tous les matins, histoire de vous informer sur ce qui se passe au Bénin et également dans le monde. Alors, la question de ce jour, chers amis, nous nous intéressons dans le débat du jour à la question de l'entrepreneuriat. Et nous vous avons posé une question sur nos plateformes Facebook, Twitter et également WhatsApp via le 71 19 88 88. La question, elle est celle-ci. L'entrepreneuriat dès le bas âge, pour ou contre? Justifié. Voilà donc la question de ce jour que nous vous avons posée. Merci donc d'y répondre. On se chargera de relayer tout ça autour de 7h30 sur le débat. Et la parole du sage aujourd'hui qui dit ceci, elle nous vient donc de Oscar Wilde. C'est une parole qui dit ceci. S'il est au monde quelque chose de plus fâcheux que d'être quelqu'un dont on parle, c'est assurément d'être quelqu'un dont on ne parle pas. Alors, je reprends la parole de sage de ce jour. S'il est au monde quelque chose de plus fâcheux que d'être quelqu'un dont on parle, c'est assurément d'être quelqu'un dont on ne parle pas. Voilà donc la parole de sage de ce jour. À présent, on se retrouve sur la route avec Constant Dianoko.
Monsieur Diallonko, bonjour. Merci d'être et ce matin. Ça va très bien. Et vous, vous allez bien? Très bien, madame. D'accord. On parle ce matin de quoi? Je l'ai annoncé il y a un moment. On parle de la courtoisie au volant, n'est-ce pas? Tout à fait. La semaine dernière, il faut dire qu'on a parlé de l'agressivité de ces personnes-là qui vous parlent mal dans la circulation, qui font preuve d'impatience, qui ne savent pas se maîtriser, n'est-ce pas? Tout à fait. J'ai bien récapitulé. Tout, vous avez tout dit en quelques mots. D'accord. Mais permettez-moi quand même d'aller un peu dans les détails, puisque l'agressivité, de nos jours, c'est quelque chose de plus courant. Oui. Les gens ne se maîtrisent pas beaucoup et ils sont toujours pressés. Puisque j'ai parlé aux téléspectateurs, oui, j'ai dit que l'agressivité naît toujours à partir du fait que le conducteur ou bien les usagers se mettent eux-mêmes sous pression. Mm-hmm. Ou bien ils ne résistent pas aux pressions des autres. D'accord. Et quand on ne quitte pas tôt la maison, on ne se met pas vite en route, on essaie de rattraper le temps perdu. Et on se met ainsi des pressions inutiles, finalement. Très, très bien. On met des pressions inutiles et on adopte alors des comportements inappropriés. On est d'accord. D'accord, donc, très bien. Et ça, nous avons dit que l'agressivité se trouve sous deux formes. Nous avons la forme verbale qui consiste à injurier, à donner des injures ou bien à humilier les autres usagers. Oui. Hein? Injures, on émule ou bien on agresse verbalement. Mm-hmm. Maintenant, il y a l'autre forme qui est la forme physique. D'accord. Qui constitue à cogner quelqu'un avec son engin. Agarrer sa voiture et aller peut-être lui serrer le col. Il y a ce genre de situation. Très bien. On le remarque aussi parfois. Très bien, les bousculades, même les gens en viennent au cou, on donne des coups, tout ça. Voilà. Voilà. Et c'est à éviter, c'est absolument, n'est-ce pas? Absolument. À éviter, absolument. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons alors parler de la bienveillance, voilà, de la conduite, c'est-à-dire la courtoisie au volant. On est bienveillant, soyez bienveillant au volant. Voilà. Mais c'est quoi être bienveillant au volant? Nous allons l'apprendre ce matin avec Constant Diallonko. Alors, Constant Diallonko, c'est quoi la courtoisie au volant? La courtoisie, d'abord, c'est d'abord une conduite civilisée. Mm-hmm. Il faut tenir compte des autres usagers et les respecter. C'est-à-dire qu'il faut être poli au volant. Mm-hmm. Et être poli au volant, c'est, comme je le dis, considérer les autres et accepter les erreurs. Mm-hmm. Et si soi-même on fait erreur, il faut présenter rapidement ses excuses. D'accord, très bien. Alors, si on est en erreur, pas la peine de vouloir jouer au faux dur, d'accord? Il faut juste dire, je m'excuse, je suis désolé. Et puis, on s'entend. C'est aussi simple que ça. C'est très simple que ça. D'accord. Et pour être courtois, il faut surtout respecter le code de la route. Mm-hmm. Par exemple, lorsque vous allez garer, vous allez stationner votre véhicule d'une façon dangereuse ou bien d'une façon gênante, mm-hmm, déjà, vous n'êtes pas courtois. Mm-hmm. On est d'accord. Ah, c'est tout cela, en fait, la courtoisie au volant. Tout à fait. Le respect strict du code de la route. Par exemple, lorsque vous utilisez abusivement, mm-hmm, les klaxons, c'est-à-dire les avertisseurs sonores, vous ne respectez pas les autres. D'accord. Il y en a qui en abusent. Hein. Franchement, ça résonne dans vos oreilles comme... Parfois, vous êtes au volant et puis vous sursautez. Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui s'impatiente et qui fait pi, 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 pi. Franchement, c'est... Ça, c'est le manque de courtoisie. Ouais, c'est le manque de courtoisie, Ou d'accord, bien les gens, ils klaxonnent à l'approche de leur maison, tout ça là. Mmh. Ils viennent tard la nuit et ils klaxonnent. Mmh. Il aurait fallu appeler simplement, allez, venez m'ouvrir la porte, ou vous garez devant votre maison et vous sonnez, c'est mieux que de klaxonner. C'est courtois, c'est poli. Oui, c'est poli, c'est même pas bien en fait, parce que quand vous klaxonnez, on sait à quelle heure vous rentrez. Et forcément, s'il y a des personnes indélicates dans la zone, on sait que voilà, Rachidat, elle rentre peut-être à 0h ou à 1h du matin.
Et si on a envie de lui faire du mal, on peut se programmer. C'est déjà pour votre propre sécurité. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Mmh. On est d'accord. Il faut respecter tout ça. Et puis, il faut savoir aussi que lorsque, pour être courtois, il faut aussi apprendre à céder le passage, mmh. même quand on a la priorité. D'accord. Faut comprendre, il faut faciliter l'insertion de l'autre conducteur. Lorsque le conducteur veut s'insérer dans la circulation, calmement, il faut lui céder le passage. D'accord. Ça fait partie de la courtoisie au volant. Mais quand il le fait, celui à qui on cède le passage, celui qu'on facilite l'insertion aussi, nous n'avons pas cette culture. Lui aussi, il doit remercier. Il doit dire oui, voilà. C'est ce que je fais souvent. Je klaxonne. Parce qu'il y a des gens tellement, il y a des personnes tellement bienveillantes qui vous cèdent le passage, ce qui est rare, ce qui est rare ici. Les Béninois sont toujours pressés, il n'y en a pas un seul qui veut s'arrêter. Donc, du coup, quand on a une personne comme ça en face, il faut pouvoir lui dire un petit merci, vous klaxonnez. Et il klaxonne à son retour, c'est pour dire, voilà, j'ai reçu ton merci. Ça fait plaisir. Voilà, vous klaxonnez et surtout le geste. D'accord. Vous pouvez rapidement lui faire... Lui lever la main, lui faire un petit coucou. Coucou, parce que klaxonner aussi, ça gêne. En agglomération, on ne klaxonne pas pour ces genres de petits trucs. D'accord. Vous comprenez? On klaxonne en agglomération lorsque la c'est-à-dire le besoin se fait sentir. Mm-hmm. C'est-à-dire en cas de danger imminent. D'accord. Sinon, on ne klaxonne pas pour saluer ou bien pour remercier normalement en agglomération. Ah, c'est leur spécialité. Il faut qu'on les voit, il faut qu'on sache qu'il a changé sa nouvelle, qu'il a une nouvelle voiture. Donc, quand il vous voit, du coup, il klaxonne. Il faut qu'il se fasse remarquer. Non, ça n'est pas bien. Le klaxon n'est pas là pour ça. Ce n'est pas son utilité, en fait. Voilà. Ce n'est pas son rôle, je veux dire. Non. Ce n'est pas pour saluer. Ce n'est pas pour saluer. D'accord. Mais c'est pour signaler l'intention du conducteur. Mmh. Le conducteur qui veut dépasser, qui veut changer de direction, comme le nom le dit, peut faire chose là. Très bien. Alors, on parle de courtoisie sur la route. Et outre ce qu'on a déjà dit, oui. Que faut-il évoquer qu'on sent bien encore? Il faut savoir également que dans les dépassements, je viens de le dire, dans les dépassements, on est courtois quand on facilite le dépassement de l'autre. D'accord. On est d'accord. Il veut vous dépasser, il s'apprête déjà pour vous dépasser. Il faut lui faciliter ce dépassement-là. Sinon, c'est dangereux. D'accord. Mais beaucoup, c'est-à-dire là, des conducteurs, c'est pendant qu'on veut les dépasser qu'ils trouvent le moyen d'accélérer. Ce n'est pas courtois. C'est des mauvais... Bon, il y en a en fait, c'est comme un jeu, quoi. Oui. C'est comme un jeu sur la route, on ne doit pas me dépasser. Dès lors qu'on me dépasse, c'est que je prends ma revanche. Ce n'est pas normal. Oui, ouais. Donc ce n'est pas normal. Il faut faciliter le dépassement. Et donc, pour être courtois au volant, la première des choses, je l'ai dit, il faut considérer les autres. C'est-à-dire qu'il faut être poli envers les autres et respecter l'environnement. Respecter l'environnement, c'est ne pas, avec des klaxons intempestifs, gêner l'environnement. Respecter, être courtois au volant, c'est faciliter la conduite des autres. Mm-hmm. Lorsque vous voyez un jeune conducteur qui est à ses premiers essais, ça se voit toujours, hein. ça se sent. Fallait voir ma première conduite, ma première prise de voiture. Là, franchement, j'ai bien envie de faire un sujet sur ça. Il y en a à boire et à manger, franchement. Vous avez compris. C'est ça qui amène les gens, surtout à insulter les femmes au volant, tout ça. Parce que pour leur insertion dans la circulation, avant qu'ils s'adaptent, tout ça là. C'est difficile. Ça prend un peu du temps. Pour ma petite expérience, par exemple, le permis de conduire, je l'ai eu avec une voiture manuelle. Du coup, je me retrouve avec une automatique. Et ça. Il fallait que mon moniteur, n'est-ce pas, m'apprenne à rouler ça. Mais du coup, non, je voulais faire la grande, la dure, en fait. Oui. Et je sors avec la voiture. Franchement, oui. J'y pense et puis ça me fait rigoler. J'ai mis entre SOS Calavi et Calavi, j'ai fait une heure, hein. Oui, voilà. Voilà. Bon, maintenant, là, bonjour, les insultes. Ça gueulait, c'est ce ça que gueulait, je ça gueulait, franchement. Voilà. Oui, il faut faire preuve de patience.
On ne grandit pas du jour au lendemain. Tout le monde a pris part. Tout le monde a pris part. Tout le monde a pris part. Et votre cas là, c'est même moins compliqué. Mm-hmm. Quand on passe de véhicule manuel à automatique, mm-hmm. c'est plus facile. Ah, ça n'a pas été facile. Franchement, voilà. Je confondais le frein et l'embrayage. Donc du coup, j'étais là au beau milieu de la route. Là, vous insultez aussi. Mais quand les gens vous insultent, vous répondez. Non, je ne réponds pas, je souris. Voilà, c'est ce que ouais, nous avons. Je souris. Là, parce que vous savez qu'en réalité, vous n'êtes pas. Vous êtes un peu en faute, là. Parce que les gens, ils ont envie de circuler, vous les empêchez de circuler. Donc, vous êtes obligé de faire preuve de patience, de compréhension. Même quand ils vous insultent, tu lèves la main, tu dis oh. Ou bien, vous ne répondez pas du tout. Et vous ne baissez pas vos vitres. D'accord. Pour répondre. Mm-hmm. Je vous ai dit. Et puis, quand les gens vous provoquent tout ça, là, il ne faut pas les regarder de face. Mm. Parce que ça va vous irriter davantage. Non, moi, c'est comme de l'eau versée sur le dos du canard. Je souris simplement, mais je prends acte de ce que je fais n'est pas bien. Il faut que je rectifie. C'est tout. Ça, voilà. C'est la courtoisie au volant, ça. Mm-hmm. Il ne faut jamais, si vous êtes courtois, là, il ne faut pas répondre mm-hmm. aux provocations. D'accord. On est d'accord. Des provocations, on est bien d'accord. Il y en a beaucoup sur la route, Constant Diallo. Beaucoup. Et donc, face à tout ça. Il y a, par exemple, pendant les saisons pluvieuses, il y a aussi le manque de courtoisie qui consiste à clabousser quand il a de l'eau, des flaques d'eau, au lieu de passer doucement dedans. Bon, il y a des gens à côté, on passe dedans sans. Et ça éclabousse, les motocyclistes, parfois les piétons. Les piétons. Et il y a des conducteurs qui s'en fichent, ils continuent. Alors qu'on est tous passés par là, on a été un jour piéton. On a eu le jour d'après une moto. Puis ensuite, la première voiture. Et le reste. Donc, mais il faut être courtois. Mm-hmm. Ce n'est pas parce que vous êtes dans votre voiture climatisée. Que vous tout devez fermé, mépriser les autres. Je le prends pour un mépris. C'est un mépris. Voilà. Il y en a qui ont bien les moyens de s'offrir une voiture, mais qui sont en moto. La moto. Voilà, c'est une question de priorité. De priorité. Même si la voiture est une nécessité, c'est une question de priorité. Tout à fait. Il y a des gens qui préfèrent construire une maison, qui préfèrent avoir un abri plutôt que d'avoir une voiture. Et avoir le garage d'abord. Le garage, voilà, avant d'avoir une voiture. Vous l'avez bien dit, c'est une question de choix. Hein. Mm-hmm. C'est comme ça. Donc, il y en a qui ont aussi des voitures qui s'endettent tout le temps pour mettre l'essence. Non, ça c'est un autre débat. Ça je ne parle pas de manque de courtoisie. Donc, manque de courtoisie, là, ça se trouve sur plusieurs formes. D'accord. Donc, nous invitons nos compatriotes à être plus courtois volant. D'accord. Et considérer toujours que la route se partage et il doit avoir fraternité, cohabitation entre tous les usagers. Il y a nos amis Zim qui ont vraiment les jeux faciles. Oui. Toyomen, c'est manque de courtoisie. Toyomen, bon gogoni, tagogo. Awanti. Chaque fois que j'évoque ce sujet, franchement, ça me fait sourire. Parce que si on pouvait avoir une caméra figée pour prendre tout ça vraiment. Même les gens vont regretter certaines choses. C'est clair. C'est clair. Ils lancent des trucs. Mais il faut qu'on le fasse, non? On peut pas le faire un jour. Il y en a, ils vous insultent et ils voient derrière, ils voient que c'est une connaissance qui vient de... Ouais, ouais. Moi, j'ai des élèves qui m'ont insulté, mais après, ils ont constaté... Ils ont compris que ça peut arriver, que le maître aussi fasse quelques petites erreurs, n'est-ce pas? C'est humain. C'est humain. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous faisons une sorte de recyclage ici tous les matins. Tout à fait. Histoire à fait. De vous permettre d'être toujours au top, au volant. Au top, voilà. Et aussi dans les feux tricolores, il y a ça là aussi. Les gens dépassent les feux rouges. Et ils attendent d'abord les coups de klaxon avant de savoir qu'il a le feu vert. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas klaxonner. Et pour éviter ce genre de choses, il faut toujours garer avant les passages pour piétons. Exactement. Klaxonner, c'est manque de courtoisie aussi au volant. Je le dis une fois. Merci donc à vous, Constant Diallo. Eh bien, vous avez quoi? Vous avez le bonjour de M. Irénée Bocor, n'est-ce pas? Qui dit qu'il faut, dans les règles de courtoisie, recommander aux téléspectateurs le vouvoiement, quelle que soit la langue. Irénée Bocor qui partage sa préoccupation avec nous. Vous êtes d'accord? Il faut, dans les règles de courtoisie, recommander aux téléspectateurs le vouvoiement, quelle que soit la langue.
langue. Non, tout à fait, tout à fait. Il faut... Jean Fondé me dira si, il faut à tout prix, n'est-ce pas, vous voyez quelqu'un qu'on ne connaît pas. On verra avec Jean Fondé. Ok, il n'y a pas de problème. Mais dans la circulation, et la règle de courtoisie au volant l'exige quand même. On est d'accord, présenter toujours ses excuses quand on est en faute. Très bien. C'est très et important. En bon français, on dit, on ne dit pas je m'excuse, on dit je vous présente mes excuses. Je vous présente mes excuses. Voilà. Je présente mes excuses. C'est important. C'est vrai que souvent, très rapidement, on le sort, on dit je m'excuse et autres, mais on dit je vous présente mes excuses. Tout à fait. Voilà. Jean Fondé, Patrick Diossou, nous dirons si oui, si c'est exact. Merci beaucoup. Alors, Fofo, c'est fini, hein? Alinayon. Il n'y va pas. On se retrouve jeudi prochain. Si de le vœu. Merci à vous, Constant Diallonko. Bon beaucoup. Matin et merci pour cet exercice citoyen que vous accomplissez tous les matins en venant sur votre émission 5 sur 7 matin. Partagez avec nous quelques petites astuces. Ce n'est pas toujours évident. Il faut se réveiller tôt. Il faut quitter la maison parfois à 4 heures, à 5 heures, avec tous les risques que cela comporte. Mais on le fait, on le fait. Et à ce propos, j'ai un coup de gueule tout à l'heure. Je le partagerai sur l'heure du français. On retrouve Patrick Diossou et Jean Fondé. Alors, l'heure du français sur 5, 6, 7 matin avec mes deux amis, mes deux frérots, mes deux chéris. Ce sont des personnes que j'aime bien, que j'affectionne particulièrement. Patrick Diossou, bonjour. Jean Fondé, bonjour. Bonjour, Rachida. Toutes mes considérations. Vraiment, quand vous parlez comme ça, des roses naissent sur votre face. Ah oui? Ah oui. Waouh, il y a rose là maintenant? Ah oui, oui, il y a rose. Pas. Oui, oui. Plein. Alors, moi, je sens des étincelles. Mm-hmm. Oui. Et de belles étincelles. Bah oui, c'est vrai. Et pourtant, j'ai eu des sueurs froides ce matin. C'est le coup de gueule que je voulais faire sur cette émission. Je pense que avant l'heure du français, il faut le dire, c'est un appel, n'est-ce pas, à l'endroit de nos autorités, surtout d'Abomey Kalavi. Oui. Je pense qu'il est incompréhensible qu'une voix comme celle allant à SOS, au village d'enfants SOS, surtout le pavé, soit obscur. Soit dans l'obscurité totale, c'est inimaginable. Parce qu'il y a des cas d'agression. J'en ai été victime ce matin. Oui. J'ai eu sérieusement un coup de bol. Voilà. C'est la grâce de Dieu. Ouais. Oui. J'ai eu une panne de voiture, donc il fallait parer au plus. Il fallait venir au boulot, tout simplement. Donc je décide d'emprunter ce chemin-là. Et puis deux individus m'agressent sur la voie. J'ai dû. Franchement, c'est un appel que nous lançons. Oui. Cette voie-là ne doit pas être dans l'obscurité. Non, c'est impensable. Franchement, c'est incompréhensible. C'est inimaginable parce que au moins, nous rendons grâce de vivre, de constater qu'on pouvait faire des voies entièrement achevées. Oui. C'est avec ce régime que je me suis rendu compte qu'il était possible de faire une voie entièrement achevée. Oui. J'habite la zone, donc je sais ce que c'est. Oui. Même la double voie qui quitte Kalavi pour Cotonou, ce n'est pas éclairé. C'est dans l'obscurité. Et c'est une voie serpentée, c'est ça qui... Et j'apprends que les cas d'agression sont légion, surtout sur cette voie-là. Oui, oui. On vous arrache facilement le sac. Oui. Moi, franchement, j'ai détalé, mais j'ai eu la peur de ma vie. Oui. J'ai le pantalon tout déchiré, j'ai quelques blessures. J'ai dû franchement me débattre. Il a fallu que deux émigrants viennent pour que ces individus puissent détaler. Franchement, il faut y penser. Je pense que nos autorités sont là pour ça. Pense qu'elles sont à l'écoute et puis elles sont très proactives. Oui. Quelque chose va se faire. Parce que les citoyens qui contribuent quand même de leur esprit, de leur tête, de leur imagination à l'édification, à la structuration, à la construction de ce pays ne doivent pas être livrés comme ça à la pègre. Et on n'a pas tous une voiture. Il y a des piétons. Mais bien sûr. Il y a des gens qui doivent se réveiller à 3h, à 4h du matin pour aller au boulot. Oui. On ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui guettent, qui vous guettent. Quand ils vous voient seul, en réalité, vous êtes une proie facile. Une proie facile. C'était mon coup de gueule de ce matin. C'est un bon coup de gueule. Et parce que, en fait, je m'étais toujours dit qu'il faut, à un moment donné, taper des points sur la table. Parce qu'il y a eu un moment où, moi, même à 2h, 3h du matin, je quittais Cotonou pour aller à Glo.
parce que toute la voie était éclairée. Au moment où on faisait, les Chinois travaillaient. Et puis, paf, dès que ça s'est arrêté, toute la voie est devenue obscure. Mm-hmm. Je ne peux plus m'aventurer à le faire maintenant. Et c'est une régression. C'est bizarre. On va y revenir. Il ne faut pas qu'on empiète sur le temps de l'heure du français. On va donner une certaine amende à si Monsieur Arondino est à l'écoute, je sais qu'il suit souvent cette émission. S'il est à l'écoute, c'est le maire d'Abomey-Calavi. Il faut vraiment y penser. Il faut y penser. Il y a beaucoup de choses qui évoluent à Abomey-Calavi. Oui. Je l'admets parce que avant, une autre dynamique. Avant la saison de pluie, les rues les plus inimaginables, toujours oubliées depuis des décennies, ont été aménagées. Et beaucoup de choses se font, mais l'éclairage, il faut reste encore. Merci Jean Fondé, Patrick Diossou. Dans l'heure du français, aujourd'hui, on parle de quoi? Oui, de l'amende, justement. Je parlais d'amende tout à l'heure. J'ai dit, on va envoyer une amende à une certaine personne. Bon, pas à une personnalité. Maintenant, l'amende, elle est douce ou elle n'est pas douce? Voilà. Quand on parle d'huile d'amande douce, huile d'amande douce, est-ce que c'est amende A-N ou amende E-N? Monsieur Fondé, oui, les deux mots. Amende A-M-A-N-D et M-E-N-D-E. Oui, voilà, la différence, c'est le A ou le E au milieu. Oui. Et je voudrais, avec votre permission, rendre un hommage à mes tuteurs. D'accord. D'Osou-Louis au cours primaire. D'Osou-Louis. Oui, D'Osou-Louis à Kenoukoué, à Dobo. Mm-hmm. Il y a ensuite à Patapolin au secondaire. Oui. Et aux supérieurs, Zamba Xavier. D'accord. Ils ont été mes tuteurs, paix à leur âme, mais ce sont eux qui ont construit ma vie parce que je n'ai jamais vécu avec des parents propres en tant que tel. L'idée m'est venue hier. Et puis, de leur rendre cet hommage-là, tout mérité. Oui, voilà. D'accord. Donc, avec votre permission, on va continuer. Amende A-N et amende A-M-A-N-D-E. Et puis amende avec E, c'est-à-dire A-M-E-N-D-E. Oui. Alors, le premier, amende avec A, c'est défini comme toute graine contenue dans le noyau d'un fruit. Toute graine contenue dans le noyau d'un fruit. Ça veut dire que lorsqu'on dit amende, et on fait référence aux fruits, à ce qu'on peut manger, et à ce dont on peut jouer, eh bien, donc, il faut penser à la lettre A. Et puis, je dis souvent qu'il faut penser à mangue, à manger, et de mangue avec A, manger avec A, et donc, le tout est joué. D'accord. Pour amande. Oui, pour amande. Avec A. Oui. Et amande avec E, c'est toute peine, elle peut être pécuniaire, c'est-à-dire liée à l'argent. Imposé parce qu'on a enfreint un règlement, parce qu'on a commis un délit. Oui. C'est ce qu'on paye en cas d'infraction, c'est en ça? Cas d'infraction, voilà. Oui. Donc c'est ce qu'on paye. Donc là, c'est avec E. Oui. Et les gens font souvent la confusion. Oui, là, c'est avec E. Et là, les gens font souvent la confusion. D'accord. Donc amende avec E, c'est une punition. Et amende avec A, donc, c'est un fruit, le noyau à l'intérieur d'un fruit qu'on appelle amande. Oui. Donc, lorsqu'on voit sur les murs et interdit d'uriner, amande, on met A-N-D, donc on veut offrir de fruits. À ceux qui font pipi, qui passent par là. Oui, mais alors, et quand on dit « je fais amende honorable », c'est A ou c'est E? Oui, bien sûr, parce que amende honorable, ça renvoie à une notion de punition, de peine. Donc, c'est avec E. D'accord. Oui, c'est avec E. Et justement, c'est l'expression qu'on va certainement découvrir la prochaine fois parce qu'il me semble que la technique n'est pas prête. Donc, on va avoir d'autres expressions en lieu et place, amande mystique, par exemple, ou les yeux en amande, etc., etc. D'accord. Donc, on va peut-être, avec votre permission. On va revenir sur ça la semaine prochaine. Mais je suis sûr, il faut faire la différence lorsqu'on dit amende, quand c'est avec A,
ou bien quand ça fait référence à la, aux fruits, à la nourriture, eh bien, il faut penser à A parce qu'il y a manger, il y a mangue, par exemple, c'est la saison. Et puis, quand c'est avec eux, eh bien, évidemment, c'est une peine pour régler un problème. Oui. Une infraction. Une infraction comme à un règlement intérieur ou bien à une loi établie. Oui, ça me rappelle une amende qu'on nous a infligée. On était en groupe et on est allé en Chine. Bon, en Chine, il y a des caméras un peu partout. Nous, on est sortis, on se promenait et dans la rue, on a vu le feu était au rouge pour les piétons. Mais nous avons traversé quand même. Et le temps d'arriver, de revenir à l'hôtel, il y avait déjà nos photos. C'est pas vrai? Oui. Déjà? Déjà, oui. Oh là là. Et c'était la nuit. Technologie. Hein. C'est la nuit que ça s'est passé. Donc, c'est une voie déjà libre, tout et tout, il n'y avait rien. Mais voilà, on nous a flashé. Ah, et vous avez dû payer... Bon, heureusement, il y avait ceux qui nous ont fait venir. Donc, c'était quoi, un avertissement alors? Non. Eux, ils ont payé. Ils ont payé à notre place et ils nous ont dit la prochaine fois, c'est nous qui payons. Parce qu'ils nous avaient avertis, ici, il faut respecter tout ce qui est loi. Et la loi pour la circulation, lorsqu'on a le feu rouge pour les piétons, on ne passe pas, même si la voie est libre. Donc, vous êtes allé chercher votre amende jusqu'en Chine. Voilà. Ça me rappelle cette amende-là. Oui, l'étape suivante. Oui, on parle de la psychologie. La psychologie, en la psychologie, le terme que nous proposons de faire découvrir aujourd'hui, l'élément, c'est COX. Oui. COX. Cox. Oui, ça fait cox. Cox. Ça fait référence à la hanche. D'accord. Oui. Bon, le béninois, le bon béninois va dire hanche. D'accord. À la hanche. Donc, tout ce qui est lié à la hanche commence par cox, ou bien à l'intérieur du mot, ou bien à la fin du mot, il y a cox. C'est un peu comme dans coxarthrose. Donc, c'est une espèce d'arthrose, c'est-à-dire de douleur liée, située dans la région de la hanche. Okay. Et donc, lorsqu'on dit coxalgie, on sait que algie fait recours à douleur. Oui. Coxalgie, les médecins nous écoutent certainement, ils vont nous confirmer ou nous infirmer cela. Donc, lorsqu'on parle de coxalgie, ça veut dire que c'est une douleur localisée au niveau de la hanche. Et ça peut être lié à un choc ou bien à une position constante, assise ou debout tout le temps. Oui. Et donc, coxalgie, c'est une douleur liée au niveau de la hanche. Et dans mes recherches, on a indiqué que, contre toute attente, contrairement à ce qu'on croit, lorsqu'on commence pas à sentir ces genres de douleurs, en dehors d'autres soins qu'on peut prendre, il faut faire du sport, du sport en douceur, la marche par exemple. D'accord. Donc, que c'est indiqué. Et il faut éviter, quand on fait certains métiers, de rester confiné dans la même position tout le temps, surtout la position. Il faut bouger. Assis, il faut bouger. Oui. Donc, c'est ça qui fait que certains fonctionnaires ils deviennent rapidement malades, alors qu'ils se disent qu'ils sont tout le temps sur place. Ils n'ont pas de vice, ils n'ont rien, je ne bois pas, je ne fume pas, et pourtant... Mais si tu es tout le temps vautré, tout le temps assis, et puis il y a des sièges qui sont recommandés pour ça, je pense. Tout à fait. Pour ne pas faire mal à votre dos, Les sièges au niveau de certains bureaux ne sont pas toujours adaptés à certaines morphologies. Et donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à cox. Donc lorsqu'on rencontre COX dans un mot, il faut penser à la notion de hanche. Ok, voilà. Alors, l'expression du jour, oui, je ne sais pas si la technique est prête. On va suivre avec la complicité de Timothée. Un internaute nous a envoyé une expression. Vous en avez parlé rapidement tout à l'heure. Oui, on va suivre Timothée. Oui. Bonjour, M. Jean Pané. Bonjour, M. Patrick Jossou. Bonjour à tout le plateau. Moi, c'est Bertin Atoué, instituteur. Je vous prie de donner l'explication de l'expression « faire amende honorable ». D'avance, merci. Voilà. On dirait qu'on s'est parlé, lui et moi. Ah oui. D'accord. Ah oui. J'ai parlé d'amende honorable. Ah oui.
Voilà. Fait amende honorable. Oui. Et j'ai pu retenir Bertin Atchoué. Oui, Bertin Atchoué, c'est bien ça. Oui. Bertin Atchoué, merci pour son intervention. Merci aussi à la technique pour nous avoir livré cet élément parce qu'on avait un peu la trouille. Et donc, faire amende honorable, on ne va pas se mettre à raconter l'histoire, mais une chose est sûre, nous avons déjà dit que amende, c'est une peine. Non, amende honorable. Donc, il y a ce terme-là qui vient adoucir un peu la chose, le mot, pour lui donner une autre orientation. Oui. Et donc, lorsqu'on dit faire amende honorable, ça veut dire présenter ses excuses et de manière et de façon publique. D'accord. Donc, reconnaître sincèrement son tort, reconnaître sincèrement ses fautes et publiquement, oui. En toute humilité et spontanément, si je peux m'exprimer ainsi. Okay. Donc voilà ce que cela signifie, faire amende honorable. Ah, je fais amende honorable, ça veut dire que je présente mes excuses. Et tout à l'heure, avec M. Drepo, vous étiez en train de dire qu'on ne dit pas « je m'excuse ». Oui, ou bien « excusez-moi ». Excusez-moi, c'est encore de l'injonction, c'est un ordre que vous donnez à la personne. Ah oui? Oui, bien sûr. Excusez-moi, c'est une phrase impérative. Oui. Okay. Oui, ça veut dire que vous êtes tenu de le faire. Oui. Donc, je vous présente mes excuses. La phrase en elle-même, elle est empreinte d'humilité. Je vous présente mes excuses. Oui, je vous présente, mais je vous prie de m'accorder vos excuses. Et là, c'est mieux que de dire excusez-moi. C'est de l'agressivité, de l'agression verbale pratiquement. D'accord. Donc, à bannir dans votre vocabulaire. On ne dit pas je m'excuse. On le dit souvent. Hein. Franchement, c'est pas je m'excuse, oui, c'est pas excusez-moi. C'est pas excusez-moi. Veuillez m'excuser. Veuillez m'accorder vos excuses. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Oui. Voilà. Donc voilà. C'est entendu. Oui, donc, et on le fait publiquement. Au fait, c'est un appel à l'humilité. Lorsque vous avez commis des fautes, des erreurs, c'est humain, errare humano est. Oui. Donc les erreurs sont humaines. Donc il faut faire amende honorable. D'accord. Et ceux qui le font, en réalité, ce sont de grands hommes qui parviennent à le faire. Oui. Un enseignant qui s'est trompé pendant son enseignement et qui s'en rend compte, le coup suivant, il vient, il dit, écoutez mes amis, la fois dernière, je vous avais dit telle chose. Eh bien, je fais amende honorable, je vous prie de m'accorder vos excuses, c'est pas comme ça qu'il fallait percevoir. D'accord. Cela. Ou bien j'avais posé un acte, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Le dire, ça ne... Le dire, c'est même passer le message, c'est passer un message fort. Oui. Aux élèves, leur dit que de ma position, je peux me tromper, mais quand je me trompe, voilà, je reconnais que je me suis trompé. Vous devez faire de même. Oui, tout à fait. Et dans le foyer... On convie nos sœurs, nos dames à bien vouloir le faire, même si c'est devant les enfants, ça fait partie aussi de l'éducation. Il y en a qui ne savent pas le faire. Il faut le faire. Je fais amende honorable, donc je suis désolé. Il faut reconnaître ça, pas d'excuse. J'aurais pas dû la lorgner. et nos frères aussi. Mais je comprends pas, Patrick Johnson. Vous vous retrouvez dans ce que je dis ou quoi? Non, mais. Bon, écoutez, quand on conduit, il faut surveiller la circulation à droite et à gauche. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Il faut voir si la tenue que la personne a portée est prescriptible pour notre compagne. Oh là là. Non, il y a des moments où on regarde juste pour comparer et dire oui, mais je regarde, mais je compare, je crois que tu as plus de prestance, tu as plus de qualité, tu as plus de beauté, tu as plus de charme. Oui, mais sans regarder. C'est pas Judith Bédis ici. voilà. C'est lâché. Bon, donc on regarde juste pour. Ok. C'est bien l'expression lancée par l'internaute. Merci à M. Bertin Atchoué. Oui. Parce que nous sommes
en période pascale. Bien et sûr. On parle souvent de confession pascale. Oui, on de parle pardon. De pardon. Oui. C'est bien de faire amende honorable. Et ça ne sert à rien d'aller. Je ne jette la pierre à personne, je ne juge personne, mais ça ne sert à rien d'aller remplir son livre de catholicité, d'aller s'agenouiller pour se confesser tant que vous n'avez pas fait amende honorable, tant que vous n'avez pas présenté vos excuses, reconnu vos erreurs, vos fautes à l'égard de votre conjoint, de vos amis, de vos collègues, oui. Et ça ne sert à rien. Quoi qu'on soit chrétien ou pas, surtout que c'est la conjonction de deux périodes de carême. Oui. Oui, oui, il faut il y en a qui pensent que c'est une, faiblesse que de s'excuser, que de reconnaître ses torts, mais moi je pense que c'est une grandeur d'esprit que de savoir reconnaître ses fautes. Oui, tout à fait, c'est une grandeur. Ça participe, même du vivre ensemble. Oui, oui. Oui. Celui qui ne sait pas reconnaître cette heure, il est borné, il manque d'ouverture avec cette personne. On n'échange pas. Bah oui, c'est vrai. Il y en a qui ne savent pas. Non, franchement, il y en a dans le couple qui ne savent pas s'excuser pour eux. En fait, c'est toujours à la femme de demander pardon pour qu'il y ait la paix à la maison. C'est l'occasion de dire aux gens, non, c'est valable pour le couple, c'est aussi valable pour l'homme ou pour la femme. Oui, c'est valable pour dans nos relations, tous les deux. Voilà, oui. Simplement. Alors, on poursuit, je pense que c'est bon hein, pour l'expression, oui, oui, faire amende honorable. Ça va. Alors, on va à la citation du jour. C'est une citation tirée de la pièce La Tragédie, le Cid, tout à fait. De Pierre Corneille. Acte 1, scène 3, vers 191 et 192. Merci de rappeler les précisions. Alors, Pierre Corneille dit ceci, je cite, « Les exemples vivants sont d'un autre pouvoir. Un prince dans un livre apprend mal son devoir. Oui. » Les exemples vivants sont d'un autre pouvoir. Un prince dans un livre apprend mal son devoir. Oui. Bah, j'attends l'explication, comme les téléspectateurs. Ça veut dire quoi, Patrick? Non, c'est pour dire simplement que on éduque plus par l'exemple que par la théorie. D'accord. Oui. Et la théorie, c'est ça qui nous renvoie à la notion de livre. Et les exemples vivants, ça veut dire ce que l'apprenant, qu'il soit au primaire, au secondaire, à l'université, ou bien qu'il soit adulte, ce que nous voyons nous enseigne mieux, plus que ce que nous lisons théoriquement ou bien ce qu'on nous dit théoriquement. Oui. Ce qui signifie quoi? Dites avant à un enfant, on ne ment pas et vous prenez vous le téléphone et a dit ah non, non, je suis en ville, je ne suis pas à la maison. J'ai déjà pris la route alors que tu es encore à la maison. De petites choses. Donc, vous voulez montrer le courage. Et qu'il faut être toujours courageux et à la moindre incartade, vous prenez la clé des champs, la cour d'escampette. Donc, c'est pour montrer que nous devons travailler à donner des exemples, à montrer la preuve. Vous voyez, dans le monde enseignant, par exemple, vous demandez d'être élégant et vous-même, vous venez... Crotter. Mal fagoter. Voilà. Et vous vous comportez comme un personnage de dessin animé ou de bande dessinée. Il y en a qui sont toujours même tenue hyper crotté. Franchement, il y en a qu'il y a des professeurs, moi j'ai des souvenirs de, il y en a qui sont vraiment bon, vous les voyez, vous n'avez pas envie. Moi, il y en a plus, mais je pense que ça a beaucoup changé. Oui, ça a beaucoup changé. Oui, ça a beaucoup changé. Et là, il faut saisir l'opportunité pour rendre hommage aux dames. Les dames enseignantes sont toujours bien habillées. Je me demande à quoi elles pensent. Bien pimpantes. À quoi elles pensent. Et comment se fait-il que ça donne l'impression d'être une contradiction entre certains enseignants, je dis bien certains, ouais. Et puis... Et une contradiction entre elle et certains enseignants, quoi. Donc voilà, je leur rends hommage. Et je vous rends hommage aussi. C'est pas facile d'enseigner, hein. C'est un métier très noble. Je l'ai fait une année. J'ai tenté d'enseigner le droit administratif, mais j'ai dit d'aller. C'est pas facile. Parce que vous vous retrouvez avec... avec des jeunes d'un certain âge. Et d'une certaine éducation. Et parfois même, vous êtes dans la salle, il y a des filles
des filles de parents riches qui ne vous respectent pas parce que vous voyez, elle est bien habillée, elle a les moyens et tout, donc elle te regarde et bon, voilà. Quoi, oui, avec condescendance. Oui, avec condescendance, c'est pas facile. Ah oui. Il faut rendre hommage aux enseignants. Ah, merci. C'est grâce à eux, c'est grâce à vous, Jean Fandé, que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et je pense que c'est le métier qui devrait être le plus valorisé au monde. Parce que sans enseignants, je pense qu'il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de président, oui. Il n'y a pas... voilà. Oui. Il n'y a pas cette belle brochette. Vous l'avez dit, oui. Vous savez comment le Japon s'est développé. C'est un enfant de 13 ans, Hirohito, qui a... l'empereur, dès qu'il a été choisi, enfin, ses parents sont décédés, et on l'a choisi empereur, c'est par lignée, il a décidé de former les gens à partir des enfants. Il a dit, la première chose à faire, c'est former les enfants. Donc, on a formé le mental des enfants. Et on a augmenté le salaire des enseignants. Ouais. Les enseignants étaient payés peut-être 3 fois plus que tous les autres fonctionnaires. Et qu'est-ce que cela a donné? Le Japonais oui, est devenu alcoolique du travail. Si vous savez que vous pouvez mettre l'essence dans votre moto sans réfléchir, si vous savez qu'avant de quitter la maison, madame a de quoi nourrir vos enfants, si vous savez que vous avez largement de quoi payer votre loyer, si vous savez que forcément, quand vous êtes en classe, vous donnez le meilleur. C'est comme la femme aussi. C'est émouvant d'entendre d'autres personnes le dire, parce que moi, je suis enseignant. S'il lui disait, il va dire qu'il transforme le plateau en revendication. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on va consacrer un sujet à ça très bientôt. Oui. De toute façon, j'ai enseigné pendant 12 ans. Il ne faut pas l'oublier. Mm-hmm. Non, personne n'oserait l'oublier. Pardon? J'ai enseigné pendant 12 ans. Ah oui, c'est vrai, je le sais. Alors, instant développement personnel à présent. Oui, le principe 12. Oui, le principe 12. Le chapitre 12 de comment se faire des amis. D'Al Carnegie. Oui. On l'a dit déjà aussi. Si vous avez tort, admettez-le promptement et énergiquement. Voilà. Il y a certains qui jouent au proportionniste, excusez-moi le terme, c'est-à-dire, tu as plus tort que moi, j'ai plus tort que toi, non, je n'ai pas plus tort que toi. Non. Lorsque vous souvenez que dans le principe 11, on a dit, ne dites pas aux gens qu'ils ont tort. L'auteur a voulu faire l'équilibre en rappelant, au cas où vous allez vous retrouver dans le tort, il faut pouvoir le reconnaître promptement. Et qu'est-ce qu'il est en train de donner comme stratégie? Et il dit, lorsque vous savez que vous êtes dans une situation désobligeante, et vous vous rendez compte que vous avez fait effectivement tort, dès que vous rencontrez la personne à qui vous avez fait du tort, il faut rapidement dévancer la personne pour lui dire, je n'aurais pas dû faire ça, vraiment, j'ai été ceci, cela. Vous vous auto-flagellez, vous vous condamnez. Alors, vous arrachez à l'autre l'arme dont il voulait se servir pour vous abattre. Il perd tous ses moyens, en fait. Vous avez peut-être, dans le cadre du travail, rendu un test avec plein de fautes et vous vous êtes rendu compte, après, vous voyez votre supérieur ou votre collaborateur. Et vraiment, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Hein. Je me suis retrouvé comme en classe de CI, j'ai fait beaucoup de fautes. Non, avec l'expérience, je ne devrais pas faire ça. Vous allez voir, la personne même, plus souvent, qui va se mettre encore à vous défendre, à vous donner un peu plus de bémol pour que vous puissiez retrouver votre psychologie. Donc, si vous avez tort de penser, n'attendez pas que les gens se mettent à vous faire du tort. Et cette stratégie va même dans certaines situations conflictuelles. C'est-à-dire quoi? Vous savez que l'autre s'apprête à vous abattre avec des arguments. Commencez par, vous allez dire que je suis ci, vous allez dire que je suis cela, vous allez dire que mon père a même tel défaut, ma mère a tel défaut. Et quand vous dévancez la personne, vous lui arrachez son arme. C'est la meilleure des stratégies. Donc, il y a cette stratégie-là. Quand on a tort, quel que soit le rang où on se trouve, il faut le reconnaître promptement, spontanément. Ça vous grandit et ça vous soulage. Vous voyez, même... le travail que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas des dictionnaires ambulants. Nous pouvons reconnaître, faire des fautes. Il faut le reconnaître. Ah, là, je vous prie de m'excuser. Vraiment, je n'aurais pas dû. Considérez que vous n'avez rien entendu et puis vous relancez comme ça. Oui. Ça soulage psychologiquement. Oui. Plutôt que de rester là, constipé, gonflé, égocentrique, égotiste, une égoïste. Une qualité humaine extraordinaire. Donc, il faut savoir reconnaître spontanément ses fautes lorsque on sait qu'on a tort.
D'accord. Même et quand l'autre vous donne l'opportunité, parce que parfois on attend, on ne se rend pas compte. Mais lorsque vous avez, je dis bien, c'est une opportunité, une chance, que l'autre vous dise, mais vous m'avez fait ceci, il faut rapidement prendre pour dire, je présente mes excuses, je n'avais pas l'intention, c'était pas tout mon intention, je prie de m'excuser, même si vous pensez que vous avez raison. L'autre a pris l'initiative, celui qui prend l'initiative de vous accuser, il faut lui donner l'opportunité d'avoir tort. Très bien. Le doute, voilà qui est doute. Bien clair. Dites-lui qu'il n'a pas tort, c'est lui qui a raison. Oui. Voilà, c'est une clé en tout cas pour faciliter vos rapports, pour oui, faciliter sûr, les rapports avec les autres. C'est bien important sûr, de savoir reconnaître ses torts. Oui. Si vous ne savez pas le faire, vous allez remarquer que les gens vous fuient. Oui. Oui, on oui. fuit. On parce que voilà, on se dit, on lui, se dit, il quoi. Se dit qu'il a toujours raison. Il a toujours raison. Quoi, donc, qu'on lui dise, il ne démord pas. Un homme sans humilité sent plus mauvais qu'un cadavre. Absolument. Oui. Super. Oui. Merci Jean Fondé. On va dire bonjour également à Gilbert Moineau qui nous a fait un coucou et qui nous dit ceci dans... le message qu'il vient de m'adresser. J'ai également une amie qui a subi le même sort au même endroit sur l'avant pavé SOS. Donc voilà. Voilà. Donc, il nous suit régulièrement. Oui, suit merci régulièrement. À Gilbert. Parce qu'il n'y a merci pas de maison habitée là en tant que telle. Ouais. C'est ça qui. Et c'est une rue qui fait peur à beaucoup de gens. À beaucoup de gens. Et les agressions sont légion. Donc, il y en a beaucoup. Donc on lance un SOS pour cette rue SOS. Voilà. À l'endroit de la merci de la Patrick Diossou, merci Jean Fondé. Merci. On se retrouve jeudi prochain. Toujours sur l'heure du français. Oui. Merci. Bon matin à vous et à très vite. C'est un bonheur. Elle est déjà là, elle c'est... Vous la connaissez, Christelle Tongolo. Tongolo, elle est là. Elle est là. Et avec elle, lui? Ediacho. Ediacho. Voilà, oui, c'est vrai. C'est son autre prénom, n'est-ce pas? Oui. Ediacho. Elle me dira ce que ça veut dire. J'avoue, je ne sais pas, mais vous me direz Ediacho. On la reçoit dans un moment. Christelle Ediacho Tongolo. Vous m'excuserez, Christelle, j'écorche votre prénom, c'est ça? Vous êtes tout excusé. D'accord. Ne vous en faites pas. Moi, quand même, Ediacho, ça veut dire quoi? Expliquez-nous ça très rapidement. On devrait le demander à Patrick Diossou. Acho, on dit Acho, c'est quelqu'un qui aime bien se saper, n'est-ce pas? Ediacho, ça veut dire que la sape lui va bien, n'est-ce pas? Ah, voilà! J'ai bien essayé. Christelle, vous n'avez pas voulu me le dire, mais je vais le faire. N'est-ce pas? Bonjour Christelle. Bonjour Rachida. Vous allez bien ce matin? Ça va très bien. D'accord. L'actualité nationale est assez fournie ce matin, n'est-ce pas? Absolument, mais je tiens à vous dire que je suis de cœur avec vous. Merci. Ce que vous avez vécu ce matin, ce n'est pas donné à tout le monde de garder le moral malgré cela. Franchement, je vous admire pour ça. On n'a pas le choix. C'est un rendez-vous, il faut l'honorer absolument et jusqu'au bout. Jusqu'au bout, vous l'avez dit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. L'état-major général des forces armées béninoises change de main. Désormais, le général de brigade Fructueux Gbagidi commande. La cérémonie de prise de commandement a eu lieu ce mardi 12 avril à l'état-major général des forces armées béninoises à Cotonou. Ghislain Bouguet. Chef d'état-major général. Général de brigade, Fructueux Candide Akhodeyon Gbagidi. Il est désormais à la tête de la troupe qu'il passe en revue et de toutes les forces armées béninoises, terre, air, mer et garde nationale. Le contre-amiral Patrick Haro, chef d'état-major général sortant, remet le commandement au ministre en charge de la Défense nationale, représentant le chef suprême des armées. Le ministre de la Défense le transmet au désormais chef d'état-major général des forces armées béninoises qui l'arrache. C'est le cérémonial ici. L'un monte, l'autre descend. Et pour asseoir son autorité. Ah okay. Le commandement est pris.
la troupe est commandée. Un tout nouveau commandement de rigueur, de sueur à l'entraînement et de guerre contre toute velléité d'attaque du territoire national, d'où qu'elle vienne. Mon devoir et la mission que j'ai reçue du président de la République, c'est continuer à faire du Bénin un oasis de paix, quels que soient les tumultes qui pourraient être autour. J'ai donc l'intention de mettre un accent sur la formation des personnels, de poursuivre l'équipement et surtout de continuer à faire face, mais encore de meilleure manière, aux menaces qui sont les nôtres aujourd'hui. La Prussienne. Créé en février 2001. Et le Léopard. Pour finir la cérémonie, devant le général Fructueux Gbagidi, chef d'état-major général des forces armées béninoises. Retour sur ce plateau, Christine Wessavi est choisie comme candidate au poste de secrétaire général du CAMES, entendez conseil africain malgache de l'enseignement supérieur. Dans l'élément que vous allez suivre, Général Mossi Aboka nous retrace le parcours professionnel de la candidate. Tero Kapo Serina Seyus, que nous connaissons sous le nom de Koso Obene. Christine Adjoken Nugbo de Wensavi est professeure titulaire des universités en aménagement et gestion des ressources naturelles. Actuellement enseignant-chercheur à l'université de Parakou, l'ancien ministre s'est vu élevé au rang de grand officier de l'ordre national du Bénin. Réputée pour son engagement en faveur de l'environnement, Christine Wensavi est également détentrice du titre de chevalier de l'Ordre international des Palmes académiques CAMES. Elle est aussi connue pour sa capacité managériale, son ouverture d'esprit et son sens de négociation. Femme, leader et scientifique, Christine Wensavi est dotée d'une grande expérience dans les arcanes politiques et administratifs, y compris au sein du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES. Des qualités et un parcours qui lui valent aujourd'hui d'être choisie comme candidate du Bénin au poste de secrétaire général du CAMES. Un choix fait par le président Patrice Talon, toujours dans sa vision de promouvoir la gente féminine au plan aussi bien national qu'international. Il avait eu 94 ans il y a quelques jours. Hier, il a tiré sa révérence. C'est Richard Andiamosou, la voix du 1er août 1960, une voix qui s'est éteinte. La rédaction de la télévision nationale lui rend cet hommage mérité à travers ce commentaire signé Patrick Johnson. Richard Andiamosou, une voix, une taille qu'on ne retrouvera plus qu'en souvenir. Premier souvenir, 1er août 1960, sur la place du Palais des Gouverneurs à Porto-Novo. Un jeune journaliste de 32 ans entre dans l'histoire du jeune État indépendant nommé Dahomey. Peuple dahoméen, soyez heureux. Je vous parle depuis Porto-Novo, devant le bâtiment de l'Assemblée nationale, où nous sommes tous ici en joie, en train de fêter un moment historique de notre pays. Avec tout à l'heure le président Hubert Maga, qui prendra la parole en tant que le père de la nation. Richard Andiamosou impose sa voix et sa corpulence. Une voix de haut stentor, une corpulence de haute stature physique. Grand fut donc cet ancien instituteur rapatrié de la Côte d'Ivoire et qui fut le premier journaliste dahoméen à retransmettre pour les auditeurs un défilé militaire et civil, la première activité publique des festivités marquant la cession du Dahomey à l'indépendance. Adio Dahomey venait ainsi de lancer un journaliste au parcours atypique. D'abord, la République française lui avait délivré un brevet d'études du premier cycle du second degré signé par le recteur de l'Académie de l'Afrique occidentale française AOF à Bingerville le 24 janvier 1952. Ensuite,
la République française lui décerna un brevet de qualification en tant que rédacteur-reporter à Paris le 31 juillet 1968. Puis, la République gabonaise l'a promu à titre exceptionnel et à titre étranger dans l'Ordre national du mérite au grade de chevalier. Décret signé à Libreville le 6 novembre 1974. Il fut attaché de presse et chargé des affaires culturelles à l'ambassade de la République populaire du Bénin à Ottawa, au Canada. La République du Bénin, enfin, l'éleva au grade de chevalier de l'Ordre du Mérite du Bénin, un brevet signé à Cotonou le 30 octobre 1992. Le dimanche 10 avril 2022, il boucla ses 94 ans de vie. Le mercredi suivant, il boucla sa valise pour l'au-delà. Richard Aniambosu, un riche parcours de journaliste. La première session ordinaire au titre de l'année 2022 s'ouvre aujourd'hui même à l'Assemblée nationale. Au cours de cette session qui pourrait durer plusieurs mois, d'importantes activités sont prévues, aussi bien sur le point de la production que celui du contrôle de l'action gouvernementale. James William Baguidi, porte-parole de l'Assemblée nationale, nous en donne la quintessence. Nous pouvons citer parmi les projets et propositions de loi qui sont déjà dans la liste. Je ne vais pas tous les citer, il y en a un certain nombre qui étaient déjà présents et qui ont été reconduits systématiquement. Il y en a d'autres, comme le projet de loi organique sur le Conseil économique et social, le projet de loi portant code de la nationalité béninoise, le projet de loi portant octroi de pension et d'autres avantages aux anciens présidents des institutions prévues par la Constitution, le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique en République du Bénin. Nous avons des propositions de loi, propositions de résolution plutôt, portant code d'éthique et de déontologie des députés béninois, une autre proposition de loi portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin pourrait être examinée au cours de cette session. Une autre porte sur le traitement et les pensions des anciens députés. C'est une proposition de loi. Le projet de loi portant statut des magistrats de la Cour suprême. Le projet de loi portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême. Le projet de loi portant loi organique sur la Cour des comptes, cette fois-ci. Le projet de loi organique sur la Cour constitutionnelle également. Le projet de loi organique sur la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ce projet de loi-là rejoint une proposition de loi modifiant et complétant la loi organique numéro 92-21 du 21 août 1992 qui régit jusqu'à présent la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis le démarrage de la nouvelle phase d'enrôlement au RAVIP en vue de la réalisation d'une liste électorale informatisée, l'EI. À Lokossa, les agents d'enrôlement descendent dans les rues pour l'opération. Cela est dû au manque d'intérêt initialement observé dans le rang des populations. Jennifer Sativi et Yves Agodopesse. Place publique à Godomer. Nous sommes au quartier Agonvé, dans la ville de Lokossa. Sur les lieux des premières heures, ces agents sont installés pour toute cette journée. Une occasion pour les habitants de se faire enrôler ou de fournir des informations complémentaires. Je m'étais déjà fait enrôler avec mes enfants, mais j'ai perdu le récépissé et aussi mon nom ne figurait pas sur les listes. On m'a donc orienté ici pour que je puisse rétablir les choses. Je n'ai pas d'acte de naissance. Je suis là pour m'en procurer. En tout cas, nous, on a fait le RAVIP, nous sommes venus vérifier si notre il figure vraiment. Depuis deux semaines déjà, ces agents parcourent différents quartiers de Lokossa pour les opérations.
On a sensibilisé tous les chefs quartiers et chefs villages à faire l'affichage réellement et à sensibiliser pour que les gens viennent. Les crieurs publics sont rentrés dans le jeu et ça fait que partout où vous allez passer, il y aura l'affluence. Au début, on était installé à l'arrondissement. La population ne sortait pas en tant que telle. On faisait des jours 26 enrôlements, 25, 20, 18. Mais depuis qu'on a commencé par sortir, on se retrouve à 43, voire 50 même enrôlements par jour. Ils avaient plein de monde qui n'ont pas pu te faire enrôler. Il y a tellement de monde à Lokossa et ce que je voudrais demander, s'il peut y avoir une prolongation, ça aiderait quand même la population à se faire enrôler. Les acteurs du commerce transfrontalier réfléchissent à une meilleure inclusion des commerçants. Ils sont venus de 6 pays d'Afrique de l'Ouest sur initiative de la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Ces acteurs étaient en atelier à Cotonou. Plus de précisions avec Ricardo Lekpeku et Alexis Segbem. Renforcer l'inclusion, la promotion et la protection des petits commerçants transfrontaliers par le respect de l'état de droit, c'est l'objectif du présent atelier de renforcement de capacités qui a rassemblé 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Occasion pour les participants de réfléchir sur l'avenir du commerce transfrontalier. Aujourd'hui, le commerce transfrontalier est un aspect majeur de l'économie et du paysage social en Afrique. Vous convenez avec moi que l'importance du commerce transfrontalier n'est plus à démontrer, à en juger par son impact sur le développement socio-économique de nos États. Selon les estimations, le commerce transfrontalier représente 20 à 30% du commerce régional. Plus les activités intracommunautaires se développent, plus, je dirais, le taux de fréquentation entre commerçants, entre les différents pays croît, plus nous impactons notre communauté en termes d'emploi. Le développement is not achieved by through aid. Ne se réalise pas par incantation. But all over the world, development is achieved Mais through. Ceci se fait, vous le savez, à travers le monde déjà, que through trade and innovation. À travers donc le commerce, la promotion du commerce et de l'innovation. Les participants à cet atelier se donnent rendez-vous à la fin de ce mois à Accra pour de nouveaux engagements. La Coupe d'Afrique des Jeux vidéo, le Bénin va abriter la compétition à partir du 23 avril prochain. À cet effet, une conférence de presse a été organisée à Cotonou par les initiateurs. Les jeux vidéo font l'objet aujourd'hui d'une grande attraction et sollicitent beaucoup de concentration. Gilles Danson-Feld. Des gamers, passionnés des jeux vidéo, un sport électronique et mental. Une compétition en vue pour détecter les meilleurs talents. L'International Africa Gaming Cup en est la principale initiatrice. Des équipes seront en compétition. Le gaming est un élément important de ce développement. C'est pour ça qu'en fait nous sommes venus ici, pour pouvoir d'une part mobiliser cette jeunesse africaine à travers la finale que nous organisons ici à Cotonou, mais aussi à l'intérieur en s'adjoignant à des communautés comme Afrigame, qui nous avons demandé d'être le porte-parole de cette communauté. Les jeunes et les jeux vidéo, une question de passion. C'est l'occasion de pouvoir commencer, utiliser une dynamique mondiale pour qu'un écart ne se crée pas comme dans les autres disciplines sportives. Donc nous avons encore les moyens de recoller avec les grandes nations européennes, les grandes nations du monde. Nous encadrons tous les jeunes qui ont cette envie de jouer, c'est-à-dire tous ces jeunes qui ont cette envie de s'épanouir dans le milieu des jeux vidéo. Un sport qui demande beaucoup de concentration vu son caractère cérébral. Il y aura une tournée départementale. On a scindé le Bénin en 3 grandes zones, le nord, le centre et le sud. Au nord, nous avons bien fait une enquête en fait. Et au cours de l'enquête, nous avons compris qu'il y avait 2 villes au nord qui pouvaient accueillir l'événement. Nous avons Parakou, nous avons Natitengou. Au centre, nous n'avons choisi que Dassa.
Au sud, il y a de très grandes communautés de gamers, disons notamment à Cotonou, à Porte-Novo, à Calavi, à Lokossa et à Boyekon. Donc ce sont les 8 villes qui sont sélectionnées pour l'Africa Gaming Cup. La phase nationale démarre le 23 avril prochain. Les gamers pourront donc faire valoir leur talent. Et c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci également à vous, ma chère Christelle Tongodo. Bon matin. Merci. On se retrouve autour de 8h15 pour la rubrique Dans nos assiettes. Et aujourd'hui, en avant-goût, on parle de quoi? De l'arbre de vie. On parle de l'arbre de vie. Alors, quel est cet arbre-là? Je vous vois réfléchir, cogiter, vous poser la question. On les laisse découvrir. Découvrir. À tout de suite, d'accord. On se retrouve dans un peu plus d'une heure. Merci à vous, Christelle Tongodo. Et cette émission se poursuit. Nous voici maintenant sur la rubrique féminin qui braque aujourd'hui les projecteurs sur une dame. Elle s'appelle Caroline Jeffred Obosu. Elle est ambassadrice de marque, conseillère en images et beauté. Elle nous parle aujourd'hui de son quotidien et de ses choix. Elle a été rencontrée par Rebecca Kenyaoundé. On regarde. On se retrouve juste après pour l'instant débat. Je suis Caroline Obosu, ambassadrice de marque, conseillère en images et en beauté. Ambassadrice de marque est là pour représenter, vendre son image à travers les produits d'une marque par exemple. Titulaire d'un diplôme en délégation médicale de base, après le temps, ma passion pour la photographie a pris le dessus. Je me suis dit pourquoi ne pas associer mon image avec une marque. D'où j'ai pris la décision de devenir modèle photo brand ambassadeur depuis 4 ans. Au début, la majorité n'avait pas cru parce que le domaine de la photographie, ce n'était pas un domaine qui est connu. Donc quand j'avais commencé, beaucoup m'ont dit tu vas laisser la délégation médicale pour aller faire la photo. Tu veux, ça va te rapporter quoi? Mais j'ai dit, c'est ma passion. Je dois me lancer pour voir ce que ça va donner. Il y a le photographe qui est là et moi je suis la directrice, mais de temps en temps j'accompagne. S'il y a des séances de photos, je suis là, j'observe comment ça doit se passer, les positions et tout ça, je participe. La collaboration, je ne dirais pas que c'est si facile, mais c'est facile. C'est pas une relation en tant que patronne et employé, non. Ici nous sommes en communauté et c'est une famille, donc tout le monde, je dirais tout le monde est égaux, donc il n'y a pas de patron, employé où chacun est dans son coin, on te dit fais ci, fais ça et c'est ça, non, tout le monde travaille ensemble et comme ça, bon, avec la communication et tout ça, on arrive quand même à trouver ce que l'on recherche. Chez nous, sur la durée des formations, nous mettons un accent particulier sur la pratique afin de permettre à nos apprenantes de vite gagner en expérience pour pouvoir prendre leur vie en main. En tant que femme, j'ai toujours rêvé de diriger une communauté, aider beaucoup de femmes à faire comme moi, à être autonomes financièrement. Parce que de nos jours, nous voyons
Il y a les mères célibataires qui sont là, il y a les femmes et sans emploi qui sont là, ils n'ont pas de travail et puis c'est difficile. Et quand je vois tous ces cas, je dis pourquoi ne pas associer la femme? Pourquoi ne pas créer quelque chose pour que la femme soit autonome? Parce qu'aujourd'hui nous sommes au 21e siècle, ce n'est plus comme avant où la femme doit rester à la maison et ne rien faire, attendre le mari et tout. Je suis là presque tous les jours, même si parfois je n'ai pas grand chose à faire. Je viens et puis je reste au niveau du studio pour quand même regarder, veiller un peu sur tout ce qui se passe. Et il y a les séances, on a besoin de faire ci, de faire ça pour que la photo soit jolie, pour que le produit sorte et tout ça. Donc parfois, même si je n'ai pas de rendez-vous, je suis là pour veiller sur tout ça. En tant que mari et femme, il arrive qu'il y ait des histoires dans le couple à la maison. Donc je suppose que par exemple, il vous arrive aussi d'avoir ces moments-là. Oui. Quand vous venez au boulot, est-ce que, quelle que soit la colère, vous oubliez la colère et vous travaillez d'abord? Oui. Parce que ici, c'est le bureau. Là-bas, c'est la maison. Donc même tout ce qui se passe entre le couple, je suppose que c'est à la maison. Donc, arriver ici, même si tu es en colère, tu essaies d'oublier. Parce que, étant en colère, tu ne pourras pas faire ce que tu as fait. Donc, tu oublies tout, tu fais ton travail normalement. Et puis, peut-être quand vous rentrez, tu oublies ou bien tu peux continuer, mais pas au bureau. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Et beaucoup de femmes se disent, bon, je ne peux pas, parce que l'entourage leur dit, elles ne peuvent pas. Elles-mêmes, elles se disent, je ne peux pas. Mais tant qu'elles ne vont pas se lever pour changer les choses, rien ne changera. Donc moi, je dis aujourd'hui, la femme est capable de tout faire. J'invite toutes les femmes, toutes mes jeunes sœurs, surtout les femmes sans emploi, qui ont une passion pour la photographie ou la communication, de se lancer dans l'aventure. Car aujourd'hui, ça paye. La femme, elle est belle. Il suffit juste de se lever, de prendre la décision. Et je vous assure, elle va y arriver. Ce que je peux dire, c'est tout simplement d'oser. D'oser dans la vie, de croire, d'avoir la foi. Et je pense qu'elle peut le faire. Caroline Jeffred Obosu, c'est le visage féminin de ce matin. Eh bien, j'espère que vous avez appris pas mal de choses hein, avec cette dame qui est, je le rappelle très rapidement, ambassadrice de marque, conseillère en image et beauté. C'est tout pour Féminin de ce jour avec Rebecca Kinjian-Odé. On la retrouve sans doute jeudi prochain autour de 7h15 hein, pour la découverte d'un autre visage. Vous le savez, tous les jeudis sur Féminin, on va à la découverte de ces femmes, n'est-ce pas, qui impactent le milieu tout simplement. L'instant débat, c'est dans quelques minutes, ils sont déjà là. Eh bien, Patrick Atindeou est là, il est mon invité, Justine Oviera, l'invité de tous les jeudis, lui aussi est là. Et on parle aujourd'hui de comment développer l'esprit entrepreneurial chez l'enfant. C'est un sujet d'actualité, on en parle. Vous avez des enfants, vous êtes concernés. Vous n'en avez pas, vous êtes aussi concernés parce que l'entrepreneuriat, il n'y a pas que les jeunes qui peuvent l'apprendre. Il faut aussi l'inculquer, cette culture entrepreneuriale, il faut l'inculquer également aux jeunes, aux adultes, à tout le monde. Prenez le rendez-vous, c'est dans quelques petites minutes, juste la pause. À
Alors, bienvenue sur l'instant débat de 5-8-7 matin. Je ne sais pas pour vous, mais j'espère que vous l'auriez entendu peut-être une fois. On le dit, hein, face au chômage, il faut développer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Eh bien, l'entrepreneuriat serait la solution ou l'une des solutions au chômage. Ceux qui suivent mes invités me diront si c'est exact ou pas. On parle, vous l'avez compris, donc, de développer l'esprit entrepreneurial chez l'enfant ce matin. C'est déjà quoi l'entrepreneuriat? Comment on développe tout ça chez les jeunes? On en parle avec mes trois invités du jour. Justine Oviera, bonjour. Bonjour madame Rachida, amis téléspectateurs, bonjour. Cher confrère coach, bonjour. Ami Willy Chris, bonjour. Voilà, bonjour. Vous avez fait le tour. Hein. Patrick Atinéou, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, vous êtes, je précise, hein, vous êtes coach de vie, tout d'accord? Accompagnateur, motivateur, n'est-ce pas? Vous nous direz ce que vous savez de ce sujet. Vous êtes d'ailleurs là pour ça, pour partager votre expertise avec les téléspectateurs. Et juste pour clore la série d'invités, ce matin, nous avons eu Christella. Vous êtes jeune, entrepreneur, n'est-ce pas? En photojournalisme. Et vous êtes également le chargé à l'image de CEPREA. CEPREA, c'est le centre de promotion de l'artisanat, de l'entrepreneuriat et de l'art. D'accord, très bien. Alors, Justine Oviera, vous êtes coach en développement personnel et en entrepreneuriat aussi. Alors, c'est quoi l'entrepreneuriat, Justine Oviera? Merci beaucoup, madame Rachidat, pour cette opportunité que vous nous offrez. Vous savez, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, il faut aller à l'étymologie, il faut aller à la base et il faut se référer aux premiers auteurs qui ont parlé de l'entrepreneuriat. Nous pensons à Stevenson, qui a défini l'entrepreneuriat comme la capacité à identifier un besoin et à proposer une solution en conséquence pour satisfaire ce besoin, pour le bien-être de la société, pour le bien-être de la communauté. Et si je m'en arrêtais là, je ferais beaucoup de malheureux parce que à première vue, on veut le comprendre en termes simples, terre à terre. Lorsque de façon schématique, nous disons à ces prières et en coaching qu'il faut trois niveaux. L'identification des talents, la perfection du talent et associer un modèle économique au talent. Autrement dit, mettre ce talent déjà peaufiné au service de la communauté. Et lorsque la satisfaction est pleine, ça induit inévitablement la génération des sources de revenus. Et c'est cette dimension qui sera bien entendu la réponse au chômage. Très bien. Alors, Patrick Atinéou, en termes simples, clairs, pour que cela soit compris de tous, parce que ici, nous comprenons, mais bien à sûr. La maison, il n'y a pas que les intellectuels. D'accord? En termes simples, c'est quoi l'entrepreneuriat? En termes très simples. Très, très, très simples. C'est mettre en exergue le potentiel qu'on a. D'accord. Et monnayer ce potentiel moyenne rémunération. Très simple. Très simple, d'accord. Ouais. Donc, l'entrepreneuriat, c'est entreprendre. Entreprendre, c'est quoi alors? C'est entrer et prendre. Entrer et prendre, d'accord. Tout à fait. Entrer où et prendre quoi? Entrer dans le monde commercial et prendre ce qui est à soi. D'accord. Il faut avoir le zèle approprié pour le faire. Et je pense que nous allons en parler ce matin. Oui. Davantage, il faut dire, l'entrepreneur, c'est quelqu'un, c'est un observateur au départ, qui observe son environnement et identifie un problème et se positionne comme quelqu'un qui peut apporter une réponse. D'accord. Et c'est ça, après l'identification du problème, deuxième niveau, il propose une solution. Ce sont des propositions. Mais faudra-t-il encore que cette proposition de solution soit acceptée? Lorsqu'il parvient à légitimer, à faire accepter sa solution par la communauté, alors il devient un entrepreneur plein. Parce que sa solution est acceptée et on n'a plus besoin de lui pour l'adopter. Lorsque vous créez quelque chose et vous-même vous parvenez à vous détacher, ça devient une idée d'entreprise à succès. Très bien. Ouais, Will Christ, tu es là, vous êtes entrepreneur. Comment vous vous définissez? Moi, je me définis plus comme un conseiller à l'image, comme le coach l'a dit. D'accord. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus simple. Pour moi, entreprendre, c'est déjà entreprendre de se lever de son lit pour aller à la douche, tout part de là, avoir l'idée et se donner les moyens de réaliser l'idée qu'on a. Donc, entreprendre, c'est déjà de savoir ce qu'on a envie d'apporter comme valeur ajoutée. D'accord. Ou parfois de partir d'une frustration ou d'un manque que notre société a et choisir de résoudre ce problème-là pour permettre
à d'autres générations, à d'autres personnes, oui, éventuellement de ne plus avoir ces problèmes-là, mmh, et de vivre de manière plus décente et plus saine. Très bien. Vous partagerez avec nous tout à l'heure votre expérience en la matière. Patrick Atindeou, pourquoi est-ce important? Pourquoi on doit entreprendre? Voilà. Pourquoi on doit entreprendre? D'accord. Je pense que petit à petit, nous entrons dans le vif, dans, mmh, le vif du sujet. Alors, il faut entreprendre parce que chaque humain, à son arrivée sur Terre, vient avec un certain potentiel. Nous en avons tous. D'accord. Il n'y a pas d'individu sans potentiel, non. Du tout, ça n'existe pas. Il faut le découvrir. Exactement. D'accord. Le découvrir, le ramener en surface, l'exploiter et le mettre en exergue. Donc, nous avons tous, d'une certaine manière, le don inné d'entreprendre. C'est la manière qui diffère d'un individu à un autre. D'accord. Voilà. C'est pourquoi il faut entreprendre. Il y a bien des raisons qui peuvent justifier qu'on veuille entreprendre, Justine Oviara. Bien sûr. Déjà, je ne compte pas faire une élimination. On n'entreprend pas parce qu'on est au chômage. On n'entreprend pas parce qu'on n'a rien trouvé à faire. En faisant ainsi, vous serez un entrepreneur de fait et non un entrepreneur de droit. On se prépare pour être entrepreneur. C'est un cheminement. On entreprend parce qu'on veut être utile. Exprimer son potentiel, mettre son lead, mettre son génie, créateur, toutes ses capacités au service de la communauté, mais de façon concrète, sans être dépendant de quelqu'un, tout en recherchant et en trouvant bien entendu son, d'accord, autonomie. C'est d'abord la première motivation, ce que nous appelons leitmotiv, qui amène quelqu'un à dire « je veux entreprendre ». Parce que j'ai quelqu'un, c'est comme la femme enceinte, elle veut accoucher parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui bouge, qui bouillonne. Et tant qu'elle ne va pas libérer ça, elle ne sera pas soulagée. D'accord. Donc l'entrepreneur, c'est comme la femme enceinte qui porte en lui quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est une idée. C'est une idée au départ. C'est une, d'accord, idée au départ. Mais le challenge, c'est de parvenir à faire de cette idée une réalité. Parce que l'idée est personnelle à soi. L'idée, c'est votre monde imaginaire. Il n'y a que vous qui visualisez. Même si vous en parlez, ceux qui sont de certaines dimensions vont rentrer dans votre univers, mais ne peuvent jamais percer, ne peuvent jamais appréhender à la hauteur, à la capacité, dans toute sa plénitude, votre idée. Mais lorsque vous parvenez à commencer par la concrétiser, petit à petit, ça devient concret. C'est un peu, d'accord, comme ce cultivateur qui met des grains sous terre. Lorsque vous venez devant son champ, vous ne voyez rien. Vous dites, mais il s'est vide. Mais lui, il a mis quelque chose sous terre. Et quand il en parle, le jour où le petit grain va sortir, une petite feuille, on dit, ah oui, il en avait parlé. Mm-hmm. C'est ça l'entrepreneur. Mm-hmm. Donc, au-delà d'être théoricien... Donc, c'est finalement, Patrick Tiandideou, Justine Oviara, Will Christ est là, c'est finalement... C'est un processus. Tout à fait. Bien sûr. C'est un processus. On ne devient pas, comme je veux paraphraser, on ne naît pas entrepreneur, on le devient, n'est-ce pas? On le devient. Mm-hmm. Et comment on le devient? Il faut, comme vous l'avez dit, c'est tout un processus. D'accord. Et moi, je vais un peu plus au-delà. Je ne limite pas l'entrepreneur à une personne qui décide d'entreprendre. D'accord. Je généralise. Parce que lorsqu'on dit « je suis entrepreneur » ou quelques personnes s'approprient le titre d'entrepreneur, c'est, à mon sens, maladroit. Nous sommes tous entrepreneurs. Nous entreprenons tous les jours. Mais dans des domaines, l'entrepreneuriat ne se limite pas simplement à vendre et à gagner de l'argent. C'est ça. Nous entreprenons tous les jours. Ce qui justifie, bien évidemment, le thème d'aujourd'hui, les enfants sont les meilleurs entrepreneurs qui existent. Et j'irai plus en profondeur tout à l'heure. D'accord. Parce que l'enfant vit dans un univers différent. Lorsque tu as l'idée, tu développes l'idée, tu as toutes les ressources autour, tu fais grandir l'idée, tu réalises... Ça ne suffit pas. D'accord. Il faut avoir une source d'approvisionnement. Mmh. Et cette source, les enfants l'ont, mmh, jusqu'à un certain âge. Mmh. Alors, pourquoi il est important, n'est-ce pas, de développer chez l'enfant la culture entrepreneuriale? D'accord. Il est important de le faire. Oui. Pourquoi? Parce que de 0 à 7 ans, oui, l'enfant est à l'étape θ, c'est-à-dire l'enfant est en hypnose. Oui. L'enfant a une capacité de récessivité plus élevée. Qu'est-ce qu'il fait? L'enfant n'a pas besoin de lire avant d'apprendre. L'enfant observe. Lorsque vous avez un enfant déjà à sa naissance, l'enfant vous observe. L'enfant apprend de tout ce que vous lui montrez. Et l'enfant imprime tout ce qu'il voit. Je prends un exemple. Ma petite fille, elle a 2 ans. Déjà à 1 an, elle arrive à débloquer mon téléphone, à passer les appels. Ils sont champions, hein, là. Exactement. Et je demande à sa mère, elle a appris ça où? Elle ne sait pas, je ne lui ai pas enseigné cela, elle a pris le temps d'observer. Et elle le fait très bien. Donc l'enfant
commence déjà très tôt par développer ses capacités intrinsèques. Le parent a un rôle à jouer dans ce processus, en observant en retour cet enfant. Lorsque vous la prenez, elle, déjà à 7 mois, elle chantait déjà. Je fais un peu de musique, donc je prêtais énormément du temps à l'écouter. D'accord. Et j'ai pris le temps de voir si elle chantait correctement, s'il y avait des erreurs, s'il y avait... Ça m'a permis d'avoir une ligne d'orientation la concernant. Ensuite, elle a trouvé sa passion avec l'informatique, tout ce qui est ordinateur et tout ça. Et déjà à 3 ans, je sais exactement où est-ce qu'il faut l'orienter. Waouh. Oui. Mais c'est, tous les parents ne savent pas le faire. Hein. Will Christ était là. Vous, l'entrepreneuriat, vous vous êtes intéressé à ça depuis quand? Vous êtes là-dedans depuis quand? L'entrepreneuriat, je pense, s'est imposé à moi à partir de, je vais dire, 2017. D'accord. 2017. On va dire il y a 4-5 ans. Oui. Oui, 5 ans. De base, je suis une formation en journalisme. D'accord. Et à un moment, je sentais que la presse ne me permettait pas de dire tout ce que je voulais dire. Et parce que ça ne montrait pas toujours certaines réalités, notamment la réalité des entrepreneurs. Parce qu'on n'est pas bien payé. Non, c'est pas ça. Non, l'entrepreneur, faut dire, ne travaille pas forcément pour pour moi. L'entrepreneur ne travaille pas forcément pour l'argent. Il travaille à résoudre des problèmes dans sa société. Exactement. Moi, le problème que j'ai détecté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de presse qui parle de l'entrepreneur. On a pour vocation dans la presse d'informer. Mais combien d'informations passons-nous aux entrepreneurs? Pour moi, informer un entrepreneur, c'est lui dire, si tu entreprends dans le domaine de l'informatique, tu peux devenir ci, ou si tu fais ça, tu peux devenir ça. Ou peut-être informer le public qui a Monsieur Justino Vieira qui fait ci ou ça. Mais j'ai remarqué qu'il y avait une insuffisance dans notre presse à accompagner ou à donner des opportunités aux entrepreneurs. D'accord. Et comme je ne pouvais pas écrire tout ça parce qu'une image vaut mieux que beaucoup d'écrits, je me suis dit, je vais alors me spécialiser dans la photographie pour, au travers des images que je prends, révéler ou raconter l'histoire des personnes qui travaillent au travers du talent qu'ils ont à améliorer la société ou à apporter une valeur ajoutée. D'accord. Donc, j'ai choisi de devenir photographe comme ça. Et c'était pas évident au départ, mais de plus en plus, j'ai commencé à devenir pointu. D'accord. Et aujourd'hui, donc, maintenant... vous avez eu le bac, vous êtes allé au campus, non? Le bac, non. Non, d'accord, très bien. Non, mais écoutez, c'est pas, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'école pour être entrepreneur. En c'est effet. Juste pour comprendre un peu son parcours. Donc, vous vous êtes arrêté... Je me suis arrêté en première année d'université. D'accord. Et après, j'ai fait la presse écrite pour, une année. Ouais. Je vais dire le temps des stages. Et puis après, je me suis dit, ok, d'accord, bon, c'est pas ma passion. Il va falloir que je me retrouve, et c'était dans l'image que je me suis retrouvé. D'accord. Et ensuite, j'ai commencé à accompagner des personnes et ça m'a permis de comprendre que l'image, pour manipuler les opinions, parce que c'est aujourd'hui ce que... Quand on n'apprend pas à passion, on découvre tout. D'accord. Et aujourd'hui, par passion, j'ai découvert que l'image... Manipuler l'image permet de manipuler l'opinion que les gens ont dans la société. Mm-hmm. Donc, travailler sur l'image des personnes comme le coach Justino Vieira, ou sur l'image du deuxième adjoint au maire de la ville, d'accord, m'a permis de me rendre compte de l'importance que pouvait avoir le positionnement d'un appareil photo par rapport à un sujet. D'accord. Et c'est ça qui me différencie, c'est ça qui fait la valeur entrepreneuriale, c'est ça qui me différencie des autres photographes, je dirais. D'accord. Parce que la photo, c'est plus l'angle de prise de vue, c'est plus l'information pour moi qu'on souhaite passer, que juste la beauté qui a su le cliché comprend. Très bien. Alors, Justino Vieira, l'enfant, d'accord, comment on lui inculque tout ça? Il faut que les téléspectateurs qui nous regardent puissent comprendre. Patrick Atindeou l'a dit, de 0 à 7 ans, il faut observer l'enfant, c'est ça? Et puis ensuite... Il faut observer l'enfant. C'est déjà un premier pas. Mais lorsque vous l'observez, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous découvrez? Au terme d'une observation, il y a toujours un résultat, il y a toujours un constat. Lorsque vous avez, ça c'est la matière brute que vous recevez, c'est le produit brut. Mais que faites-vous de ce produit brut? Est-ce que vous l'orientez ou bien est-ce que vous le cassez? Il y a deux cas, comme le disait l'autre Ivoirien. Soit vous l'orientez, vous l'entretenez ou vous le brisez. Vous le brisez par ego, par orgueil, parce que vous ne voulez pas que votre enfant prennent cette direction. Donc, quand vous l'observez et vous voyez déjà le fruit que semble donner son arbre, vous le détruisez. Mais lui étant innocent, il ne le sait pas. Au deuxième cas, c'est ce qui est recommandé,
c'est de l'entretenir. Mais comment l'entretenir? C'est déjà commencer par l'insérer dans des cadres, dans des environnements, dans des milieux qui favorisent l'éclosion de ce que vous avez observé chez votre enfant. Lorsque vous avez un enfant qui, à la limite, est un peu loquace ou qui a un goût très, très passionniste de la musique, mais vous l'orientez dans des milieux comme les chorales. Ou bien si vous avez un enfant qui se prête au jeu, qui jongle, comme on le dit, qui fait des petits vélos, lui-même oui, fabrique, il bricole. Oui. Mais vous commencez par l'habituer à des ateliers d'art, des ateliers de peinture. Donc, en fait, il faut regarder tout ça. Il faut oublier. Si, si vous avez un enfant, par exemple, je prends un cas précis, hein. Vous avez un enfant, bon, c'est vrai, qui sait, à un si jeune âge, déverrouiller les téléphones, et qui est passionné, par exemple, hein, qui est passionné de documentaires, de documentaires liés aux animaux, les documentaires animaliers. Ce genre d'enfant, vous faites comment? Il faut l'orienter dans ce sens. Bah comment? Faut l'amener, il va visiter des parcs. Vous lui donnez la possibilité de parcourir des parcs. Il y a combien de parcs ici? Bon, lesquels? Il faut aller jusqu'à... Ici, à Cotonou. Le plus important pour moi, je pense, c'est même pas de forcément l'envoyer vers des parcs. C'est déjà de pouvoir lui dire dans ton environnement quels sont les animaux qui existent et l'amener à comprendre le fonctionnement de ces animaux là parce que peut-être s'il est déjà intéressé par ces animaux par exemple, c'est peut-être parce qu'il aura peut-être demain un don de vétérinaire ou quelque chose comme ça. Donc apprenez lui déjà que le coq par exemple fait partie de la race des oiseaux, qui a des animaux qui vivent à quatre pattes, qui a... C'est fou. Je me rends compte qu'il y a finalement beaucoup de choses qui nous échappent hein, en tant que parents, Patrick Atindéou, parce qu'il faut être... Oui, je voulais placer un mot. Oui. Moi, je préfère le contact direct et le contact pragmatique avec la réalité. Dire à l'enfant, la poule fait ceci, le coq fait cela, c'est au-delà de nos capacités. Je suis communicateur. Je ne connais absolument rien en rapport avec les animaux. Je préfère le mettre en contact avec un professionnel et permettre au professionnel de lui offrir les réalités de ce qui le passionne. Parce que c'est une erreur que beaucoup de parents commettent, généralement de manière inconsciente. Je prends mon cas, d'accord? À 7-8 ans, je jouais très bien au football. J'étais à la limite dans l'équipe le meilleur. Et il y a une sélection, les Blancs sont venus à la maison. Écoutez maman, votre fille joue très bien au foot, nous voulons l'amener en France pour la formation, etc. Maman a pris le temps de les écouter et à la fin, elle dit « Ok, j'ai compris, maintenant sortez de chez moi. » Elle n'a pas donné suite. Sortez de chez moi. Pourquoi? Sortez, je vous dis. Je me suis mis à pleurer. Pourquoi tu as renvoyé ces Blancs? Elle dit « Non, ta tante m'a dit que là-bas on vend les enfants. » Il y a ce qu'on appelle la programmation. Les parents ont été... C'est aussi dans le souci de nous protéger. Exactement, je suis d'accord. Pas tous les parents, mais il y a une programmation de base que les parents inconsciemment veulent transmettre aux enfants. Mais l'enfant naît avec des aptitudes particulières, des aptitudes différentes. Moi, je suis un accompagnateur pour mes enfants. Je ne me considère pas comme étant papa, le père. L'enfant doit forcément faire ce que je dis de faire. Non, je l'observe et je l'accompagne. Je l'oriente. Jusqu'à l'âge de maturité, de conscience, l'enfant commence par comprendre ce pourquoi il est venu sur Terre. D'accord. Très bien. Vous voyez? Une seconde fois, j'ai eu l'opportunité de faire de la musique. Elle m'a dit, Niette, tu ne fais pas la musique. Ceux qui font la musique deviennent des délinquants. Ok, j'ai abandonné. Une troisième fois, j'ai décidé de devenir commercial. Mais écoute, tu as fait l'université, tu as eu tes diplômes, tu es devenu quoi? Mercaticien. Comment? Mécanicien? Mercaticien, maman. Je fais du marketing. Ok. Et qu'est-ce que tu vas faire à Tokpa en costume avec les sachets de macaroni? D'accord. Vous voyez un peu la limitation, je lui ai dit, je voudrais, et je continue toujours de le désirer, faire partie des opérateurs économiques les plus influents du Bénin. Il faut que j'aille à la source, que je comprenne comment on vend, comment le commerce se fait concrètement. Je ne vais pas rester au bureau, donner des instructions et être théorique, je veux comprendre. Et à ce niveau, je lui ai dit, écoute maman, j'ai grandi,
je sais ce que je fais, je t'en prie, laisse-moi m'orienter. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir le potentiel que j'ai développé. Très bien. Alors finalement, je comprends, Justino Vieira, que sans le vouloir, sans le savoir, on détruit forcément ce potentiel naturel que chaque individu a à entreprendre, bien sûr. N'est-ce pas? Et comme vous le dites si bien, c'est dans un esprit de sécurité. Les parents, en voulant sécuriser l'enfant, finissent par l'exposer. En voulant sécuriser l'enfant, les parents finissent par l'exposer. Ou par le dénaturer aussi. Par le dénaturer, bien sûr, parce que on finit par lui faire faire... On lui fait devenir quelque chose, ce qu'il n'est pas. Ce qu'il n'aime pas. Et vous lui faites chasser son naturel. Et quand le naturel est chassé, il revient au galop. C'est pourquoi on voit des gens qui ont un parcours, par exemple, de banquier qui finissent par devenir musiciens. Exactement. À un moment donné, quand ils sont libres de faire, d'assumer leur choix, pardon. Ou pire des psychopathes. Bon. J'ai entendu une histoire, et cette histoire-là, c'était un enfant qui était passionné de médecine. Il aimait le corps humain. Mais ses parents voulaient qu'il devienne banquier. Donc finalement, il est devenu banquier. Il a eu beaucoup d'argent à un niveau, mais il ne se sentait pas à l'aise. Donc, pour vivre de sa passion, finalement, il revient dans la rue et il commence maintenant à attraper des personnes qui dissèquent pour voir de quoi est constitué l'homme. Juste parce qu'on ne lui a pas permis de réaliser sa passion dès la base. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque votre enfant s'accroche à une activité, à une passion, et vous le lui empêchez, soyez sûr, c'est une bombe à retardement. D'un jour à un autre, il finira par l'exprimer. Wow. Vous voulez qu'il étudie. Là, vous me renvoyez là à mon rôle de parent. Parce bien que, sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mon gamin, il est fasciné par les documentaires animaliers, tout le temps sur National Geo. Mais je ne comprends pas. Mais créer le petit parc à la maison. S'il aime les félins. Il peut te dire, il y a tel, il voit un serpent, il dit c'est tel. Il voit tant, il dit. Mais je dis, mais ce n'est pas possible. Mais attendez, lorsque vous avez déjà un enfant qui développe ce réflexe, entretenez-le comment? S'il aime les félins, prenez-lui deux chats, deux félins à la maison. Il a demandé à avoir un chien. Mais voilà, alors, prenez-le lui. Il veut faire son expérience. D'accord. Et c'est en le faisant qu'il devient vraiment passionné. Parce que l'entrepreneur, pourquoi aujourd'hui nous avons un tableau entrepreneurial qui est totalement noir? C'est-à-dire les gens entreprennent et un an, deux ans, trois ans après, ils raccrochent. Parce qu'ils le font pour chercher de l'argent. Mais on vient à l'entrepreneur pour exprimer sa passion. Mais la passion s'entretient. Mais il faut bien vivre de son art. Il faut bien vivre de son art. Mais c'est la satisfaction qui crée l'argent. L'argent n'est pas magique. L'argent, c'est la conséquence d'un service bien rendu. Autrement, vous êtes un arnaqueur, vous êtes un escroc. Lorsque vous n'êtes pas compétent, lorsque vous ne donnez pas la satisfaction qu'il faut, et on vous donne de l'argent, mais attendez, vous êtes un escroc, vous êtes un voleur, parce que vous êtes en train de prendre quelque chose sans auquel vous n'avez pas normalement droit. D'accord. Mais la passion qui se développe sur des années, votre enfant devient naturellement un génie, devient naturellement un compétent. Et vous imaginez, un enfant qui n'a pas fait des sciences sur les animaux, qui n'a pas fait des études de vétérinaire, mais qui naturellement peut vous parler des animaux, c'est déjà une prédisposition naturelle. Et imagine lorsqu'il aura 18 ans, 19 ans, 20 ans, et vous l'inscrivez dans un centre ou bien dans une école pour devenir vétérinaire, mais il sera major, il va exceller. Parce que lui, ce n'est pas maman qui le lui a dit. Depuis son jeune âge, il a déjà ça. Oui, je veux placer un mot, je suis d'accord avec le coach Justino Vieira. Ce qui fait que les entrepreneurs sont en difficulté, c'est qu'ils oublient ce qui est important, c'est la passion. Ce n'est pas avoir les ressources, ce n'est pas avoir l'idée, ce n'est pas faire un plan d'affaires, c'est avoir de la passion. Celui qui est passionné travaille constamment, il ne voit pas le temps passer. Et lorsqu'il le fait bien... Ça fait qu'il est là, il perdure son activité. Non, il se perfectionne. Oui. Voilà. Il se perfectionne dans le temps. Voilà. Dans notre société, on nous a fait croire qu'il fallait forcément avoir le diplôme. Mais je vais dire un bac, par exemple, ça fait quoi? Au moins 14 ans de vie à apprendre des choses qui peut-être ne nous seront pas utiles. Alors que, parallèlement à cela, on peut choisir de commencer à se spécialiser jeune, comme votre fils le fait là dans un domaine. Ce qui fait que oui, avec la connaissance générale que les cours nous donnent, qu'on arrive à utiliser cette connaissance générale là que l'éducation nous donne pour nous spécialiser dans un domaine. Et c'est ça qui crée la valeur ajoutée. Et moi aussi, je pense que notre pays est sous-développé parce qu'on n'a pas eu assez d'entrepreneurs. Vous imaginez si on avait 200 personnes comme le président Talon, des personnes qui arrivent à
avec leur intelligence, développer des secteurs comme le coton ou développer des industries. Combien d'industries on a au Bénin? Je pense que c'est parce qu'on n'a pas assez d'entrepreneurs. C'est peut-être parce comme que ça. Tout le monde, à un moment, a voulu avoir les diplômes. C'est pour ça qu'on comprend cette rage que le président de la République a aujourd'hui d'investir, on va dire, dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, vous voyez, le chef de l'État, c'est un entrepreneur pontain. Entrepreneur né, je dirais. Entrepreneur né, pour ne pas compléter né. Vous voyez la réforme qu'il a opérée récemment dans le secteur entrepreneurial, avec la création d'un guichet unique pour la promotion des PME et PMI. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, nous sommes, moi je suis dans le secteur entrepreneurial pratiquant. D'abord entrepreneur, j'ai ma propre entreprise, et je suis enseignant, je suis coach en entrepreneuriat. D'accord. Et je suis à la base, je suis en contact avec les entrepreneurs. Mais qu'est-ce qu'on constate? On n'a pas un répondant direct. Je ne veux pas avoir tiré à boulet rouge sur certaines institutions. Mais vous allez dans telle institution, dire ah non, ce n'est pas nous qui nous occupons de ça, allez dans d'autres institutions. Mm-hmm. Vous allez dans d'autres institutions, dire ah non, c'est notre cas de chasse. Aller à gauche, mais à finalement, droite. Finalement, vous n'avez que vous-même. Moi, je suis en train de faire une tournée. J'étais jusqu'à Bani Koura le dimanche passé. J'ai vu des jeunes entrepreneurs. J'ai vu des jeunes qui étaient dans les champs, qui étaient en contact avec le bétail. Mais quand ça se passe comme ça, ces jeunes ne sont pas mis sous les projecteurs parce qu'ils sont un peu loin. Mais il faudrait bien quelqu'un comme nous, quelqu'un qui peut apporter un message technique de formation, outiller ces jeunes pour leur dire ce que vous faites, c'est bon. Mais si vous continuez ainsi, vous êtes dans le système traditionnel. D'accord. C'est ce qui se fait avant. Aujourd'hui, on parle de la mondialisation, tout est moderne. Comment est-ce que vous pouvez gérer vos revenus? Moi, j'ai vu des jeunes à Bani Koura, d'il y a 20 ans, qui sont des millionnaires. Mais quand vous les voyez, ils n'ont pas un système de gestion, ils n'ont pas reçu une formation, ce que nous appelons l'éducation financière. Et d'accord. Comment ça se passe? Alors, Patrick Atindéou, oui. Écoutez, moi, je suis beaucoup plus dans la perception qu'il ne faut pas attendre le gouvernement pour entreprendre. Justement, j'allais le demander. L'entrepreneur, c'est celui qui s'auto-emploie, n'est-ce bien pas? Sûr. Qui n'attend pas forcément le gouvernement. Totalement indépendant. Ouais. Donc, il faut carrément travailler tout en considérant qu'on est seul et qu'on peut le faire seul. Et c'est pourquoi je reviens sur le concept de la passion. Tout tourne autour de ça. L'enfant a des ressources que les adultes n'ont pas. J'ai l'habitude de dire, les enfants n'apprennent pas de la même manière que les adultes. Les adultes doivent apprendre comme les enfants. Je ne sais pas si vous voyez. D'accord. Jésus disait dans la Bible, si vous me permettez, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. On a l'habitude de dire, le royaume des cieux leur appartient. Ce n'est pas vrai. D'accord. Ceux qui leur ressemblent. Lorsqu'on arrive à ce niveau où l'enfant a la possibilité de s'accrocher à quelque chose qu'il aime et d'y donner de l'énergie, on est 10 fois plus productif. Les adultes, qu'est-ce qu'ils font? Je veux réaliser ceci, j'ai mon idée, je mets toutes les ressources autour et je suis sûr de réussir. Ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Vous verrez des entrepreneurs qui vont faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils n'auront jamais de résultat. Mais un entrepreneur qui démarre déjà à 2 ans, d'exercice, il a le résultat, mais de manière exponentielle. D'accord. Je prends Facebook. Il a réalisé Facebook à 22 ans parce qu'il était passionné d'informatique. Il ne faisait que ça. Il était constamment dans la programmation. Et lorsqu'il a lancé, c'est parti déjà à 23 ans, il est milliardaire, multimilliardaire. Parce que derrière, il y a la passion. Ensuite, il n'a pas arrêté parce qu'il est devenu milliardaire. Le Béninois lambda, dès qu'il devient millionnaire, il se dit, bon, j'ai l'argent, je passe à autre chose. Mais non, il est allé à WhatsApp, il est passé à Instagram. Et il continue de créer les jeux vidéo parce qu'il est passionné. C'est en fait ça qui fait l'entrepreneur. D'accord. Donc, on va récapituler sur ce plateau, d'accord? Développer la culture entrepreneuriale, l'esprit entrepreneurial chez l'enfant, il faut apprendre à l'observer. Bien sûr. On l'observe, on identifie sa passion, l'objet de sa passion et on l'y encourage. C'est bien cela. On l'oriente. On l'oriente, c'est ça. Et il doit être dans cet environnement. Et c'est ça qui fait que celui qui suit pour ce processus ne restera jamais au chômage. Celui qui suit ce processus ne sera jamais au chômage. Je donne l'exemple de votre garçon. Lorsque vous l'orientez déjà, vous l'habituez à ça. Lorsqu'il a l'âge de 22 ans, il finit sa formation, même si personne ne le recrute, lui-même, au regard de tout ce qu'il a capitalisé depuis l'âge de 5 ans, de 7 ans, en suivant la télévision, l'expérience, l'environnement que vous lui offrez à la maison, ce qu'il a appris à l'université, quand il capitalise tout, il devient lui-même un créateur, il devient lui-même un génie. Il arrive à innover. Et c'est l'innovation qui nous distingue des autres.
C'est pour ça que moi, j'ai toujours, un entrepreneur ne doit pas avoir de concurrent. Parce qu'il se distingue des autres par sa touche particulière. C'est en cela que j'aime bien cette façon de fonctionner dans nos universités où on a la, quelle que soit sa passion, il y a des organisations en place pour vous aider à développer ça. Vous êtes passionné de journalisme, il y a Radio Univers, vous aimez la musique et autres, il y a, je ne sais plus si ça existe, il y a, comment on appelle ça, les casseurs de l'université, j'y ai appris l'impresario, et tout. Donc, il faut pas, il y a des parents qui refusent à leurs enfants de faire ça, mais il faut pas, dès le bas, aujourd'hui, je peux vous dire qu'en réalité, c'est aujourd'hui que je me professionnalise, mais à la base, je n'avais pas cette formation. D'accord. Donc, il faut encourager les enfants, c'est important. Je pense aussi que un de mes coachs m'a dit un jour, chaque enfant qui naît, c'est tout le monde à rebâtir. D'accord. Parce que nous sommes arrivés aujourd'hui à un niveau dans notre humanité où on a créé des systèmes ou essayé des processus qui n'ont pas marché. Et l'enfant avec son âme d'enfant regarde le monde avec et se pose des questions. Et de ces questions qu'il se pose là, il décide parfois d'apporter des réponses. Et ces réponses-là peuvent être dans le domaine art. En partant de son cerveau gauche peut-être ou de son cerveau droit, donc de développer son talent artistique ou développer un truc. Mais quand ses parents-là disent par exemple « mon enfant ne peut pas devenir ci, mon enfant ne doit pas devenir ça, qu'est-ce qui se passe au final ?» L'enfant suit la masse et rentre dans le processus bien défini qui existait avant lui. Donc ça fait que quoi ? Il entre dans le processus, il commence à aller à l'école, il a les diplômes. Mais le problème qu'on a avec les diplômes aujourd'hui, vous savez c'est quoi ? Sur les 100 000 diplômés qu'on a chaque année, il y a 21,8% environ qui sont réinsérés dans le système. Ça fait un peu plus de 118% qui sont livrés à eux-mêmes. Ces 118% qui sont livrés à eux-mêmes deviennent parfois entrepreneurs ou entrent dans le système informel. Ils sont déjà diplômés. Ils ont passé des années à apprendre des choses qui ne leur seront peut-être pas utiles. Ils entrent dans le secteur informel. Donc ça, n'étant pas préparé à l'entrepreneuriat, ils échouent. Les chiffres disent que 100% des entreprises créées, 88% échouent. D'accord. Parce que quoi ? Ils ne sont pas préparés. Et parce qu'ils ne font pas des métiers de leur passion. Et le problème que moi, je suis en train d'avoir par rapport à ça, c'est quoi ? Donc, en 2040, on aura 3 fois plus de personnes diplômées. Donc, pour un seul poste disponible, si actuellement, il y a 7 personnes qui veulent le poste, pour un seul poste en 2040, il y aura 21 personnes qui voudront le poste. Et l'école sera plus chère. On aura beaucoup plus de problèmes à introduire les gens dans le système. On aura plus de problèmes à soigner les personnes. Et ça va faire que quoi ? Les gens ne font pas des métiers qui les passionnent. Ils sont juste là sur le tas. Et je pense que... Voilà. Effectivement. Donc, c'est un sujet très intéressant. C'est un sujet très... C'est inquiétant ce qui se passe. Vous avez... Des personnes, des jeunes qui, à l'âge de 40 ans, ont des diplômes, mais n'ont pas d'emploi. Vous avez des jeunes qui ont plus de 30 ans, qui se posent des questions sur leur avenir, parce que justement, la formation, d'accord, la formation qu'ils ont ne leur permet pas, n'est-ce pas, d'exercer. Donc, finalement, on peut le dire, l'entrepreneuriat, c'est une porte de sortie. C'est une solution, mais à la base, il faut être patient. Alors, Stanislas Lincoln a checké pour nous les réseaux sociaux, ça commente, ça opine sur Facebook, sur Twitter. Bonjour Stan. Bonjour Rachidat Biomaman, bonjour à chacun et à tous. Et bonjour aux amis internautes qui ont pris le rendez-vous et qui ont voulu suivre leur réaction, la lecture d'ailleurs. Qu'ils patientent, nous allons leur livrer. D'accord. Alors, quelle question on a posée aux téléspectateurs aujourd'hui, Stanislas Limpon ? Alors, nous leur avons demandé si il est nécessaire d'initier les enfants à l'entrepreneuriat dès le bas âge. Je résume ainsi la question. C'est cette question que nous leur avons adressée. Ils sont nombreux à réagir. Les internautes globalement, c'est quoi ? C'est oui, c'est non ? Les internautes soutiennent que cette idée, elle est noble, elle est louable. Il faudrait qu'on forme les enfants à l'entrepreneuriat dès le bas âge pour qu'on n'ait pas un chiffre galopant des diplômés sans emploi. D'accord. On fait le tour rapidement de...
oui. De quelques posts. Absolument. On y va. On va tout de suite sur notre page Twitter avec Gounou Setongi Raymond qui affirme « Avec la forte demande sur le marché de l'emploi de nos jours, chaque écolier doit être initié à l'entrepreneuriat. Il faut que chacun apprenne à créer un emploi lui-même, c'est-à-dire qu'il apprenne à voler de ses propres ailes car l'État n'arrive plus à satisfaire tout le monde. » Marius Zanou poursuit dans le même sens. Initier les écoliers et les élèves à l'entrepreneuriat est la première des mesures préventives du chômage. Il faut qu'ils grandissent dans l'esprit de ne pas être forcément un bureaucrate. Latif Yakoubou ajoute ceci. Bien sûr que oui, cela donnerait plus d'ouverture à nos jeunes diplômés. Surtout, cela favoriserait leur autosuffisance économique. Et c'est à Jean de Nazareth d'affirmer, et c'est de ça qu'on a vraiment besoin au Bénin. Moi, avec mes diplômes, je serai un grand entrepreneur, mais le moyen n'y est pas. Je profite pour dire au gouvernement, s'il pouvait mettre un moyen d'aide à ses écoliers et élèves, ça pourra aussi les motiver. Jean Ousgag, il poursuit dans la même logique. Il faut vraiment initier l'être en devenir à se prendre en charge pour éviter qu'il soit une charge pour la société. Le législateur doit dès lors mettre l'entrepreneuriat dans le programme d'éducation à partir du cours d'initiation, c'est-à-dire le CI. D'accord. Notre ami Vincent Mouanou conclure en ces termes pour plusieurs années de cours théoriques et ils finissent par s'en sortir avec des diplômes académiques incapables de leur être utiles d'entreprendre quoi que ce soit. Et il continue à toujours espérer de l'État, chose anormale. Il serait plus que jamais une bonne chose de former les enfants à l'entrepreneuriat. D'accord. Voilà, les avis sont un peu partagés, même si tout tourne autour du fait qu'il est important aujourd'hui de développer l'esprit entrepreneurial chez les enfants. Il faut commencer déjà à l'école primaire. En effet. C'est ce que les internautes ont dit. Et je relaie très rapidement ce poste de mon cher collègue Ulysse Elios Diodi qui dit ceci, ça m'a fait un tout petit peu sourire. Il dit, laissez vos affaires de sociaux, psycho, GOSG et consorts. On a déjà trop de chômeurs dans ces domaines. Il n'y a pas de métier réducteur. Formez-vous dans les métiers pratiques, couture, coiffure, graphisme. Merci. Voilà. C'est ce que nous disons, finalement. Je suis d'accord avec lui. Je dis, c'est une bénédiction d'avoir un président qui a le sens des affaires à la tête de ce pays. C'est une bénédiction. Ça permettra à chaque jeune. Aujourd'hui, j'en croise énormément. Déjà à 19 ans, ils sont millionnaires. Parce qu'ils n'attendent personne. Actuellement, je suis en train d'accompagner 3 jeunes. À 19 ans, déjà, chaque fin du mois, de leur téléphone, ils se font 500 à 600 000 francs. Ils ne sortent pas de leur chambre. Super. Donc, la vision du président de la République va dans le sens, oui. Exactement. Ouais. C'est de permettre à chaque Béninois de s'autonomiser. Mm-hmm. Ça permettra véritablement à l'économie nationale de prendre une ampleur plus intéressante. Mm-hmm. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que les parents doivent soit se faire former pour coacher leurs enfants, ou soit travailler avec des coachs appropriés pour accompagner les enfants. Parce qu'il y a 4 étapes pour apprendre. D'accord. Il faut qu'on comprenne. La première étape, c'est l'incompétence inconsciente. Je ne sais pas que je ne sais pas. Vous êtes, par exemple, actuellement journaliste. Vous n'avez pas forcément beaucoup de connaissances sur ce qui a rapport avec les animaux. Mais si on vous donne une petite orientation, vous pourrez vous retrouver. Mais dans votre posture actuelle, ce n'est pas approprié d'accompagner votre enfant qui aime tout ce qui a rapport avec les animaux parce que vous ne pourrez pas lui donner les informations appropriées. Donc, la première étape, l'incompétence inconsciente, lorsque vous vous rendez compte que vous ne connaissez pas, vous cherchez à comprendre. Vous passez à la seconde étape, l'incompétence consciente. Maintenant, je sais que je ne sais pas. Comment est-ce que je dois savoir? Je vais vers l'information. D'accord. Lorsque j'ai l'information, je comprends, je passe à la troisième étape, la compétence consciente. Là, je sais que je sais. Et généralement, les gens s'arrêtent à la troisième étape. Les enfants, par contre, de 0 à 7 ans, sont déjà à la quatrième étape. C'est ça. D'accord. La quatrième étape qui est la compétence inconsciente. Je réalise ce que j'ai à faire sans pour autant réfléchir. Vous voyez un peu? Donc les enfants sont déjà à la compétence inconsciente. Ils font les choses de manière inconsciente. Vous remettez un balai à un enfant, pour l'enfant c'est un cheval. Vous remettez la commande de la télévision à une petite fille, pour elle c'est un bébé, elle met au dos. D'accord. Parce qu'elle
est dans le monde imaginaire. Très bien. Et c'est là où l'entreprise réside en réalité. Lorsque tu t'assois et tu n'as pas la possibilité de vivre dans ce monde, quand tu te déconnectes de ce monde, ton entreprise meurt. D'accord. Matt Lutenberg, récemment, il a créé l'Ether et il y travaille. Il a créé un monde parallèle. Mais c'est parce qu'il s'isole et qu'il voit le besoin réel. Il arrive à rentrer dans ce monde imaginaire des enfants. Ce monde des enfants, je précise. Il arrive à sortir ce que personne n'a encore fait dans le monde des adultes. Très bien. Alors, l'entrepreneuriat permet donc aux jeunes de ne pas forcément attendre le gouvernement. Justine Oviera, on peut dire aujourd'hui le terreau est favorable. Très favorable. N'est-ce pas pour développer cette culture entrepreneuriale, non seulement chez les enfants, mais chez les jeunes aussi. En effet. Bien entendu, le terreau est très très favorable et c'est grâce aux actions menées par le chef de l'État. Vous savez, moi je suis coach formateur, je suis en tournée, j'ai parcouru déjà 7 villes, il me reste 3. Et mon message reste constant. Entreprenez, mais ayez des modèles. Lorsque vous êtes un théoricien, et c'est ce qui se constate aujourd'hui, oui. J'ai suivi des formations en entrepreneuriat, si le formateur lui-même n'a pas créé son entreprise, si lui-même se contente de lire juste des livres de développement personnel ou des livres de quel auteur, eh bien vous formez, vous serez également des entrepreneurs théoriciens. D'accord. Mais soyez des entrepreneurs pratiquants. Et en la matière, le Bénin a une chance terrible. Le chef de l'État est un modèle pour tous les jeunes entrepreneurs. Je le dis et je l'assume. Et c'est ce message que je porte. Parce que lorsque vous prenez la gestion de l'entreprise, il y a 3 facteurs, il y a 3 dimensions. D'accord. La gestion de l'image. Et quand on prend la gestion de l'image, il y a encore 3 subdivisions, il y a 3 catégories. L'image de soi, l'image du produit, l'image de l'entreprise. Dites-moi, sur quel domaine le chef de l'État a failli? La gestion de l'image de soi, tout le monde, en tout cas personne n'a du mal à apprécier le chef de l'État. D'abord dans son apparence, sa manière à s'imposer, sa manière, sa capacité à parler. Déjà, première chose, la gestion de l'entreprise. Toutes ces entreprises ont été, en tout cas pour ma petite, ce que j'ai lu, ont été des entreprises à succès. Deuxième chose, la gestion du produit. Le coton n'a pas faibli. Au contraire, ça connaît un bon légendaire dans la sous-région et même au plan mondial. Donc, gestion de l'image, c'est un succès, un exemple, un modèle à suivre. La gestion des ressources humaines. Vous avez vu la promotion de la jeunesse, la promotion de la compétence. Lorsqu'on a, il est question de choisir, de nommer les SE dans les communes. Vous avez vu tout le processus, la transparence qui est associée à ça. Ça prouve également qu'en termes de la gestion des ressources humaines, mettre l'homme à la place qu'il faut. Et pour finir, lorsque nous parlons de la gestion des finances, vous avez vu, désormais le budget est géré, on parle de budget programme. Tout ça pour dire, lorsque vous êtes jeune entrepreneur, cherchez des modèles. Ne vous plongez pas dans la fièvre politicienne. Ne vous plongez pas dans ces règles sacrées. Très bien, vous c'est compris. Oui. Il faut être un homme objectif. Soyez des modèles objectifs et à qui veut l'entendre. Je le dis et je l'assume. Le chef de l'État est un exemple à l'embâtir. Très bien. Wilchrist, tu es là en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. Vous vous épanouissez. N'est-ce pas? Ça va, tout va bien, vous vivez de votre art, puisque vous êtes passionné de photos, de photographie, tout va bien, ça va? On n'a pas toujours compris au départ, mais on finit par faire comprendre. D'accord. Et moi, parce qu'on semble parler d'un entrepreneuriat qui semble venir de l'extérieur, je veux pouvoir dire que l'entrepreneuriat, ça existe dans notre culture à la base. Et l'autre disait, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. On peut connaître une personne. Moi, il m'arrive, par exemple, de découvrir le talent de certaines personnes juste avec le nom qu'elles portent ou leur polygénie clinique. D'accord. Donc, je pense qu'on peut même ne pas aller déjà, même en ne regardant pas un enfant, juste avec son nom ou son accord. On peut prédestiner un enfant à quelque chose. Et la preuve, c'est, je ne sais pas trop si beaucoup de personnes le savent, mais à 8 ans, déjà, notre président faisait déjà dans le commerce. C'est ça. Donc, on n'a pas besoin de cours ou de formation sur l'entrepreneuriat. On n'a qu'à découvrir c'est quoi sa passion et aller percer. Un jour, le mur finit pas tomber. Très bien. Alors, Patrick Ratindeou, découvrir sa passion, je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ce débat. Il est important pour les parents de découvrir ce qui passionne leur enfant et c'est ainsi qu'on peut l'aider à développer sa passion. Exactement. On tend déjà vers la fin de cette émission. Je suis totalement d'accord avec vous. Ouais. Lorsque le parent arrive à découvrir la passion de son enfant, l'orientation est beaucoup plus simple. Et moi, je conseille. Ce n'est pas aisé d'être un parent occupé. Il sort le matin, il revient le soir fatigué, d'accompagner son enfant. J'ai l'habitude de donner une phrase
que je me donne à moi-même et que je partage généralement en formation ou en séminaire. 24 heures qui s'effritent, c'est 24 heures de moins dans le temps qu'il nous reste à vivre. C'est ça. 24 heures qui s'effritent, c'est 24 heures de moins dans le temps qu'il nous reste à vivre. Parce que vous passez toute la journée au service et que vous rentrez le soir, vous n'avez pas forcément le temps de donner la bonne orientation à l'enfant. Faites-vous accompagner. D'accord. Actuellement, j'ai dans mon carnet quelques clients, des personnes qui m'invitent à la maison pour accompagner les enfants et leur donner une orientation. Ah, ça se fait ? Bien sûr. Dès le bas âge, bien sûr. Vous venez, vous échangez avec l'enfant ou comment ça se passe ? C'est intéressant ça, hein ? Oui ? Nous passons du temps avec l'enfant. Oui. Nous écoutons l'enfant. Oui. Généralement, les enfants sont dans une bulle. Ouais. Les enfants, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à dire à leurs parents. D'accord. Mais lorsque vous arrivez à avoir accès à leur bulle, vous entendez beaucoup de choses et vous travaillez sur deux éléments essentiels. Le mental et les émotions. D'accord. Quand vous entrez dans ces deux dimensions, vous pouvez déceler la passion de l'enfant ou les passions de l'enfant et l'amener à les exprimer. D'accord. Lorsque c'est fait, l'enfant voit clair sur là où il va dans sa vie. D'accord. Ce qui fait que hier c'est encore... C'est comme un verrou qui a sauté. Exactement. Oui. Hier encore, j'étais avec trois enfants où le garçon me disait « Monsieur Patrick, j'ai quelque chose à vous dire. Ok, tu en as parlé à maman ? Non. Tu en as parlé à papa ? Non. Pourquoi ? Parce qu'ils ne me comprendront pas. Mais à moi, il a tout dit. C'est ça. Donc, il y a une certaine facilité à confier l'enfant à des personnes spécialisées et à leur permettre d'être accompagnés dans le domaine de leur prédilection. Je pense que ça pourrait être le recours des parents qui nous regardent. C'est cher ou pas ? Oh non, c'est relatif. Pour accompagner, c'est que le... Oui. Ce que le coach Patrick dit. Il y a des centres même pour ça. Centres que vous dirigez, Justine Oviera. Je veux dire qu'il y a au-delà de ça même, juste l'accompagnement de l'enfant. On peut accompagner toute personne à découvrir ses dons, ses aptitudes, ses talents. Parce qu'en fonction de la forme du visage d'une personne, on peut savoir, elle peut avoir des aptitudes que d'autres personnes n'auront pas en fonction de sa taille. Le visage reflète quoi? Il va falloir faire un profilage. Très bien, c'est déjà fini. Il faut quand même lancer un message à ceux qui sont déjà dans la boue, ceux qui ont raté cet exercice de coaching. C'est très important. Est-ce qu'ils sont voués à l'échec? Puisque lorsqu'ils vont suivre cette émission, ils vont dire oh, non, c'est pour ça, je ne parviens pas à m'en sortir. D'accord. Non, tout n'est pas perdu. Il n'est jamais tard de bien faire. Donc, lorsque vous ratez lorsque vous ratez le coaching d'enfance, lorsque vous ratez cette opportunité qui doit être donnée, qui doit être offerte par les parents, aujourd'hui, il y a les coachs. Le dimanche prochain, par exemple, nous organisons la fête des entrepreneurs à la place de FutureSet. Tout le monde est invité. Vous venez, on va parler coaching, on va parler entrepreneuriat. Nous allons parler de trois choses. La gestion de l'image, la gestion des finances et la gestion également de l'équipe. C'est très, très important. Très bien. Le dimanche prochain à la place de FutureSet. C'est un sujet intéressant, Stan. Oui, oui, puisqu'on parle de l'entrepreneuriat et l'un des invités a dit tout à l'heure que l'Africain ou le Béninois est un entrepreneur naturel. C'est vrai, mais nous sommes formatés dans un système. N'oublions pas, notre modèle est calqué sur le modèle de Yovo, c'est-à-dire c'est celui qui va à l'école et qui sait parler le français, qui met la cravate. C'est celui-là qui a aussi sa vie. D'accord. Cette question avait déjà été résolue par Ousmane Sambène qui dit j'étais envoyé à l'école pour que tu saches lire et écrire, je n'ai jamais voulu que tu deviennes blanc, mais on n'a pas encore compris tout le contour. En réalité, aujourd'hui, il est important de former l'enfant, pas seulement l'enseignement apprentissage, mais former l'homme, corps et âme. Quand on dit former homme, corps et âme, c'est-à-dire former l'homme de sorte qu'il soit capable d'explorer tous les paramètres, tous les contours de son être qu'il est, les potentialités cachées en lui-même, afin de se révéler à lui-même. Merci. C'est cela qui va lui permettre enfin de découvrir le terrain d'entrepreneuriat sur lequel il va... Il sera imbattable. Vous le saviez-vous que vous deviendriez journaliste un jour? Je le savais, bien sûr. Parce que je suivais. C'est bon à savoir. En semaine, si vous me voyez sur le terrain avec mes entrepreneurs, quand Will Crit est là, qui est du centre de position de l'entrepreneur des arts que je dirige, vous allez me connaître. On est en Dieu, on est à Missebo, à Tokba, avec le coach Patrick Atindo. Et vous échangez c'est pour avec dire que nous sommes des hommes de terrain. Très bien. Donc, je vous permets de retenir ceci. Je pense qu'on va, revenir sur ce sujet pour voir un peu ce que le gouvernement met en place pour faciliter tout ça. C'est important, il faut que les téléspectateurs, il faut qu'ils sachent ce que fait le gouvernement. Il y a des grands pas qui se font dans le domaine fiscal. Oui, oui. Vous avez vu la loi des finances, il y a beaucoup de choses qui se font. Merci à vous Stanislas. Oh, je vous ai coupé la parole. Oui, ben si vous voulez, je vous laisse ici, vous retenez pour vous et pour les téléspectateurs aussi. Toujours cette citation. Oui, comme l'a dit notre ami mathématicien guinéen Mouta Kita, il dit, quand la formation requise est en adéquation avec l'emploi obtenu, la compétence est au service
du progrès. Très bien. Alors, on n'en finira pas. Alvin Diabreno est là avec Christelle Tomodo. Oui, allez-y. Il y a trois choses importantes que les parents doivent comprendre. La première, il faut investir sur l'enfant. C'est ça. La seconde, il faut investir dans l'enfant. Mm-hmm. Et la troisième, il faut s'investir pour l'enfant. D'accord. Les parents sont généralement un tiers de ce qu'ils ont à faire. Mm-hmm. Et je pense qu'avec un accompagnement approprié, ça peut se faire. Voilà. On dit, j'ai tout fait pour toi. Mais ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché. Tu envoies à la maison à 40 ans. Mais c'est question d'avoir de mentalité, de mindset. Voilà. On le sait aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai aimé cet échange. Il est assez intéressant. Même après la retraite, on peut toujours retrouver son chemin. Même après la retraite. Bien sûr. Bah oui. La pauvre colonel Sanders. Je vais vous donner l'exemple d'un monsieur qui a occupé de hautes fonctions. C'est dans ça. Ce pays, mais son rêve est de devenir avocat. Mmh. Je vous dis, à plus de 60 ans aujourd'hui, il passe le CAPA. Ben super. C'est, franchement, il y a des personnes comme ça. Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Ce n'est pas toujours les diplômes, c'est la passion d'abord qui doit orienter les personnes. Bien sûr. Merci à vous. On retient qu'il y a un potentiel en chaque enfant. Il ne tient qu'à vous, chers parents, de le découvrir, de découvrir ce potentiel-là et d'aider l'enfant à développer cela. Et il y a des coachs. Hein, des coachs qui sont là pour vous aider. Il suffit d'entrer en contact avec ces coachs et votre enfant saura quel chemin il faut suivre pour que par finir, il ne soit pas un chômeur. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Oh, oui, Christelle, c'est fini. Le talent, oui. Enfin, il y a une anecdote sur les talents, je pense. Oui. Bien sûr. Et j'invite tout le monde à aller le découvrir. Mm-hmm. Parce que ceux-là qui n'ont pas découvert leur talent étaient, je ne sais pas, jetés en feu ou un truc comme ça. Lorsque vous ne parlez pas, merci à vous. Et c'est ce talent qui fait qu'on peut se réveiller à 4h du matin pour venir au boulot. Merci de nous avoir suivis sur le plateau des Bastanas. Demain, n'est-ce pas, sur la matinale 5-6-7 matin. Et demain, vendredi culture. Voilà. De bons invités à recevoir demain. Ça va le faire. Merci à vous, Patrick Atindeou, nouveau venu sur le débat. Je pense que vous reviendrez plus avec souvent plaisir, sur ce plateau débat. Will Christella, merci également à vous. Justino, à jeudi prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la rubrique Dans nos assiettes. Nous sommes dans la dernière heure de votre émission 5 sur 7 matin, mais avant de recevoir Hugues Nsuzuno pour l'émission Sport Matin, place à nos assiettes, n'est-ce pas? Et on parle aujourd'hui d'une... Comment vous avez qualifié ça? D'un arbre de vie. D'un arbre de vie. C'est un arbre qui donne la vie, quoi. Et quel est cet arbre-là, Christelle Tomodo? Avec Madame Diabreno, vous gardez toujours le suspense. Bon, on en saura davantage parce que c'est la spécialiste qui est sur le plateau avec nous. D'ailleurs, bonjour Madame Alvin Diabreno, bienvenue. Merci d'honorer tous les jeudis matins ce rendez-vous. Merci à vous. Bonjour mesdames les journalistes. Bonjour Madame Diabreno. Bonjour. Alors, sans transition, dites-nous, qu'est-ce que l'arbre de vie? L'arbre de vie. C'est l'arbre qu'on appelle communément le baobab. Rachidat. Le baobab. D'accord. Donc, si c'était une question génie en herbe, j'aurais échoué. Zéro pour Rachidat. Zéro pour Rachidat. on l'appelle aussi l'arbre médicament, l'arbre pharmacien, l'arbre palabre. D'accord. Alors, baobab. Oui, le baobab. D'accord. Le baobab est un arbre à mille bienfaits. Qu'est-ce qu'il apporte à l'homme en termes de nutriments? Ok, le baobab, communément appelé l'arbre de vie, est une espèce, de nom scientifique, Adansonia digitata. C'est une espèce qui pousse généralement dans les régions sèches et a une longévité allant jusqu'à 2000 ans. Le minimum, c'est 500 ans. Et le maximum, c'est 2000 ans. Le baobab. Oui, le baobab. C'est souvent un arbre impressionnant. Hein, oui, c'est un arbre impressionnant. Très, très imposant d'ailleurs. Voilà. Si on dit par exemple que dans le domaine parlant de journalistes spécialistes des questions de santé, si on dit que Christelle Tomodo est un baobab dans ce domaine, c'est pour dire qu'elle est aussi immense. Oui. Cette arbre que vous voyez. Voilà. Tout est exploité sur cette arbre. Mmh. Les racines, l'écorce, les feuilles, les fruits, tout est exploité sur cette arbre à des fins nutritionnelles et plus thérapeutiques. D'accord. Donc, le baobab contient de la vitamine C. Mm-hmm.
D'accord. Tout ce qui est sur le baobab contient de la vitamine C. Et de la vitamine C, 6 fois plus que l'orange. Du calcium aussi, 3 fois plus que le lait. Et du potassium, 6 fois plus que la banane. D'accord. Donc, c'est une vraie espèce. À part ça, vous avez la vitamine A, vous avez le phosphore, vous avez le magnésium, vous avez les vitamines B1, B2, B6, B16. Vous avez des acides organiques aussi qui sont importants pour l'organisme, vous avez des antioxydants aussi. Et compte tenu de ça, ça présente plusieurs vertus. Plusieurs vertus. Mais est-ce qu'on le trouve aussi couramment que l'orange, la banane et autres? Non, non, c'est plus dans les régions sèches. Donc, vous allez plus au nord, vous allez trouver le baobab. D'accord. Et si vous faites attention, ces fruits sont amenés au sud. C'est les fruits qu'on appelle le pain de singe. Mm-hmm. Ces fruits, c'est le pain de singe. Et on utilise ça pour faire des jus. Pour faire... c'est vrai. C'est savoureux, onctueux. C'est savoureux. Mais franchement... d'un goût exquis, n'est-ce pas? Absolument. Mais tout le monde n'apprécie pas le goût. Ah, moi, j'aime bien. C'est peut-être à cause de son goût. C'est parfois un peu acide. Oui, c'est acide. D'accord. Donc, le goût est acide. Mm-hmm. Le goût est acide. Voilà, on en vient à ces vertus. Vous l'avez amorcé. Parlez-nous de quelques vertus que renferme le baobab. Le baobab, la première vertu, c'est un fortifiant naturel. D'accord. Grâce à sa teneur en vitamine C, c'est un fortifiant naturel qui lutte vraiment contre la fatigue et apporte de l'énergie à l'organisme. Donc, tout ce qui est sur l'arbre lutte contre la fatigue, que ce soit les feuilles, que ce soit les graines, que ce soit les racines, tout. On peut le consommer sous forme de boisson dans ce cas, ou sous forme de jus ou de décoction. Ça dépend. C'est bon pour les personnes du troisième âge et pour aussi les enfants en pleine croissance. D'accord. Voilà. Donc, il y a aussi, de par sa composition en calcium, il a des vertus, il lutte contre les problèmes musculaires. D'accord. L'arthrose et le polyarthrite. Oui. Et maintient le système musculaire en bon état. Ah, donc, c'est très important. Ça réveille les hommes qui sont un peu... Voilà. Qui n'ont plus assez d'énergie pour gérer... Oui, c'est une source d'énergie. c'est une bonne source d'énergie qui ne permet pas de faire des dépôts de graisse, par exemple. Vous pouvez en prendre. Et aussi, le baobab a cette vertu-là et guérit le parlu. Ah bon? Oui, lorsque vous faites une cure de baobab, le baobab guérit le palu. Avec les feuilles notamment. Oui, oui. D'accord. Oui, avec les feuilles, le baobab guérit le palu. Le baobab diminue la fièvre, baisse la fièvre. Et aussi, grâce à sa composition en micronutriments, ça aide celui qui est atteint du palu, les dommages causés par les infections liées au palu, les inflammations liées au palu, ça règle ça. D'accord. Le baobab est aussi bon pour ceux qui souffrent de la carie dentaire. Là, on utilise la sève de baobab où on prend les feuilles séchées, on en fait une pâte et on dépose au niveau de là où il y a le carie, les caries dentaires, la carie dentaire. Et ça a aussi un effet antalgique. Il y a aussi ses vertus inflammatoires et antioxydantes. Et beaucoup d'études l'ont démontré. Il est conseillé pour les personnes atteintes du cancer, parce que ces personnes-là ont des inflammations au niveau de l'organisme. Il y a les maladies auto-immunes aussi. C'est bon pour ces personnes-là. Remarquez avec moi, Rachida, oui. Tout bien, maman, que le baobab a beaucoup de vertus. Je comprends pourquoi. Et on ne peut pas tout citer. Mais moi, j'aimerais, si vous le permettez, qu'on revienne très, très rapidement sur la poudre du baobab. Oui. Ça a des spécificités, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, je disais, la poudre, que ce soit les feuilles, que ce soit la poudre, que ce soit l'écorce, que ce soit la racine, tout ce que vous trouvez sur le baobab. C'est les mêmes micronutriments, mais il faut les exploiter pour bien bénéficier de ces
vertus-là. Finalement, tout sur le barbare se consomme. Oui, rien n'est acheté. Rien n'est acheté sur le barbare. Tout se consomme, que ce soit sous forme de boisson. Là, vous en faites le jus. Par exemple, maintenant, si vous allez voir une personne convalescente qui a souffert peut-être d'une infection, mais qui a une infection, vous pouvez lui amener du jus de baobab. C'est très important. C'est thérapeutique. Oui, c'est thérapeutique. D'accord. C'est thérapeutique. Au lieu de lui amener, par exemple, de l'orange, vous lui amenez du baobab. Là, vous lui expliquez les vertus liées au baobab. La personne se retrouve vraiment très vite. D'accord. Voilà, Rachida, depuis un moment, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, n'est-ce pas? On a parlé de cet arbre de vie, cet arbre aux multiples vertus. Donc, on le recommande aux téléspectateurs qui nous regardent. Consommez-en sans modération. Oui, sans modération. Il faut en consommer sans modération parce que ça ne présente pas des avantages. Et des désavantages. Mais j'oublie aussi quelque chose très important. Allez-y. Ça règle les maux gastriques. Si votre enfant ou quelqu'un souffre de la diarrhée, de la dysenterie, vous pouvez lui faire du jus, vous pouvez lui donner du jus de baobab, vous pouvez lui faire des décoctions avec les racines de baobab, et bien avec l'écorce, vous donnez à l'enfant, ça calme. Et ça réhydrate le corps, l'organisme. Voilà. Je pense que sur cette rubrique, on va peut-être conseiller un peu peut-être à Madame Alvine, on va lui proposer plutôt, pour être plus précise, de nous donner peut-être un de ces jours dans nos assiettes, ces petites astuces qui vous permettent très rapidement de stopper un certain nombre de choses. Oui, par exemple, l'autre fois, j'ai mon petit garçon qui faisait la diarrhée, on m'a juste dit de lui donner un peu de gari dans de l'eau glacée, mais je vous assure, c'est magique. Oui, franchement, il y a de ces recettes, je pense qu'on va peut-être y revenir, n'est-ce pas? Absolument. Merci à vous, Christelle Tombodeau. Ce sera tout Ce sera tout. Merci. Ce sera tout. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques. Merci, Alvine Diogo, merci également. Bon, peut-être vous retrouver jeudi prochain. Vous savez que c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. D'accord. Allez, Christelle, à demain. À demain. Pour le bulletin d'info. Voilà, à demain. 5 sur 7 matin reçoit maintenant mon cher et estimé le grand Hugues Zinsouzouno sur Sport Matin. Alors, on parle sport ce matin. Que serions-nous sans le sport? Le sport, c'est utile, n'est-ce pas, Hugues Zinsouzouno? Pour vous, pour moi, pour tout le monde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça permet de se maintenir, d'avoir la forme. Exactement. Et l'actualité sportive de ce matin est un peu fournie. Nous commençons déjà en parlant du projet jeune officiel. La formation est lancée, vous me dites. Exactement. Donc, atelier d'élaboration des curricula de formation pour le projet jeune officiel à Grand Popo. L'OPSU, Office béninois du sport scolaire et universitaire, a lancé, donc après ce qui s'est passé à Grand Popo, l'Office a lancé au CEG Sainte-Rita la formation des jeunes officiels pour les coachs, les secouristes, les reporters sportifs, les arbitres de foot, de basket qui sont en herbe. On regarde. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire a amélioré et harmonisé les curricula de formation en coaching, en secourisme, en arbitrage, au basket et dans le reportage sportif. Cette année 2022 est considérée comme un nouveau départ pour la formation des jeunes talents. Il faut que nous construisions aujourd'hui l'avenir de demain. Et c'est pourquoi la cible privilégiée que nous avons identifiée pour nous permettre de construire le sport de demain, c'est la cible des jeunes. C'est la cible des jeunes de nos établissements scolaires. Et je voudrais leur dire qu'ils sont privilégiés, car, comme l'a dit un de mes prédécesseurs, une telle formation n'a jamais eu lieu dans notre pays par le passé. Et si aujourd'hui nous misons sur eux pour construire l'avenir de demain, nous voudrions avoir la certitude que nous sommes dans la même logique avec eux et que les formations, les instructions et les connaissances qui seront données ici, avec assiduité, avec intérêt, ils pourront les suivre
pour qu'effectivement nous puissions construire l'avenir sportif de demain. Ces formations sont une véritable opportunité pour l'initiation à ces 5 métiers. Je voudrais vous inviter à l'assiduité, à écouter et à suivre minutieusement ce que les instructeurs vont vous dire. Parce qu'à la fin, il y aura une évaluation. Et la deuxième étape, c'est ceux qui vont sortir de cette évaluation, qui iront à la deuxième étape, et ainsi de suite. Et à la fin de cette formation, vous aurez une attestation de participation de premier niveau. Prochainement, deuxième niveau, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait une certification qui prouve que vous avez les aptitudes pour aller au niveau des fédérations, au niveau des différentes fédérations, pour officier ou bien pour être aux côtés des grands professionnels pour devenir vraiment de grands coachs, de grands journalistes et de grands arbitres pour vraiment révéler le sport béninois. Dans la même veine, l'ancien directeur technique de la Fédération béninoise de basket, porte-parole des formateurs, motive ses apprenants. Nous remercions le gouvernement et toutes les structures qui ont pris cette initiative. Au nom de mes collègues formateurs, nous vous garantissons que cette mission, nous allons la remplir correctement, avec beaucoup d'amour, et nous ferons de sorte que l'objectif commence déjà par être atteint dès maintenant. L'envie de devenir reporter sportif est manifeste. J'ai choisi de faire cette formation parce que j'aimerais bien devenir journaliste sportif et j'aimerais bien décrire des joueurs. J'ai décidé de faire cette formation parce que j'ai vu que ça peut servir. La formation des jeunes officiels prend fin ce samedi. Voilà, Hugues Issouzouna, on parle maintenant de cette compétition BAL 2022. On parle de basket et vous nous dites qu'il y a une victoire du Zamalek en match d'ouverture. BAL, ça peut étonner, c'est oui, BAL. J'avoue que j'étais un peu perdu là. BAL. Oui. Donc Zamalek, champion en titre et hôte de la Ligue africaine de basket, c'est ça, BAL. D'accord, BAL, Ligue en africaine, anglais. Hein, Ligue africaine de basket. Conférence du Nil s'est imposée 80 à 63 face à Cobra Sport lors du kick-off de la compétition au Caire en Égypte. En match d'ouverture de la Ligue africaine de basketball Conférence du Nil le 9 avril 2022, les Égyptiens du Zamalek, champions en titre et hôtes de la compétition, ont imposé leur domination aux Sud-Soudanais du Cobra Sport par un score de 80 à 63, prenant ainsi la tête du tournoi. Les ambitions du Cobra Sport n'ont pas suffi à créer la surprise face à son adversaire. Beaucoup nous sous-estiment, mais nous avons une bonne défense. Nous avons de grandes tailles et nous savons nous en servir. Nous sommes heureux d'être là, nous n'allons pas faire trop de bruit. Le jeu le fera pour nous. Le Zamalek, qui aligne cette victoire consécutive, compte dans ses rangs de fortes individualités, notamment l'ancien attaquant de la NBA, Ike Diogu, auteur d'un record d'équipe de 17 points, Anas Mahmoud, qui a ajouté 10 points et 11 rebonds, ainsi que du Camerounais Daryl Eugène Strawberry, qui a marqué le premier panier de la Conférence du Nil. Au-delà des performances individuelles, la victoire est mise à l'actif des qualités collectives. Nous sommes déterminés à conserver notre titre au Zamalek. Nous sommes prêts pour la saison 2 de la Ligue africaine de basketball. La première sortie des équipes du Zamalek et du Cobra Sport a permis de voir les forces mais aussi les faiblesses des deux formations. L'attaque égyptienne envisage de travailler la précision de ses rebonds, tandis que les Sud-Soudanais du Cobra Sport évaluent à 50-50 leurs chances de succès à ce tournoi. Zamalek et Cobra Sport rencontreront respectivement les Cape Town Tigers et le Clube Atlético Petrolios de Luanda en deuxième journée de la phase de groupe. On parle toujours de la même compétition. De BAL, oui. Donc BAL, Basket African League, pour voilà. Être plus précis. Présent à la conférence Nil de la Basket African League, les forces armées et polices du Cameroun se sont imposées 77 à 60 face à Espoir Foucha de la République démocratique du Congo. Avec cette victoire, le Cameroun se positionne comme l'un des leaders de cette conférence qui a débuté le 9 et se termine le 19 avril prochain.
Premier match, première victoire. L'équipe camerounaise de basketball, forces armées et police, s'est imposée le 10 avril 2022, 77-60, face à Espoir Foucage de la République démocratique du Congo, dans la conférence Nil de la Ligue africaine de basketball. Dans le premier quart-temps, malgré un jeu optimal, les FAP sont dominés par Foucage FC, 24-18. Les représentants du Cameroun réussissent leur entrée en compétition avec une victoire nette et sans bavure contre Espoir Foucage. Il faut dire que c'est un résultat attendu. FAP ayant battu Foucage deux fois dans les phases éliminatoires, et c'est vrai que la phase finale n'est pas la même, mais les configurations des équipes n'ont pas trop changé. Dans le second quart-temps, l'étau se resserre. Joël Almeida des forces armées et police, très présent aussi bien en attaque qu'en défense, ramène le Cameroun à un point des Congolais, 40-41. Avec trois points de mormant des Sean Lamar au début du troisième quart, l'équipe des forces armées et police obtient sa première avance, 44-41. Une avance que les poulains du coach François Enyégué n'ont plus perdue de toute la rencontre. La capacité de FAP à aller au Final 8 dépendra de son habilité à gagner les matchs qui sont à sa portée. Et ça sera Cape Town au deuxième match et puis Cobra au quatrième match. FAP va devoir remporter ces trois matchs-là pour assurer la qualification pour le Final 8. Avec cette victoire, les forces armées et police se positionnent comme l'un des favoris dans la conférence Nil de la Balle. Pour rappel, FAP n'a perdu aucun match au cours de la saison régulière avant les playoffs, que ce soit au niveau national, régional ou international. Prochaine rencontre ce 13 avril, les forces armées et police seront opposées aux Cape Town Tigers. Direction Cuba, à présent, Uxisouzounon, le pays autorise la pratique de la boxe professionnelle, n'est-ce pas? Effectivement, donc autorisation de la boxe professionnelle, la discipline avait été abolie par Fidel Castro il y a 60 ans. Après 60 années d'interruption, les combats professionnels de boxe vont reprendre à Cuba. Dans le cadre d'un accord avec un promoteur mexicain, les autorités ont autorisé les boxeurs à concourir professionnellement. À l'époque, Fidel Castro avait aboli tout enjeu professionnel des sports, les limitant aux pratiques amateurs. Je pense que ça va être magnifique, spécial et historique. Nous avons eu de grandes générations de boxeurs et cette possibilité ne pouvait pas leur être donnée. Mais cela va se produire avec cette génération et on va faire au mieux pour tous ceux qui n'ont pas pu le faire à l'époque, on va bien les représenter. Pendant toutes ces années, Cuba a continué de briller sur les rings à l'international, en particulier lors des Jeux Olympiques, alors que ces sportifs n'étaient pas considérés comme professionnels. Nous pensons qu'avec les caractéristiques de nos boxeurs, qui sont extrêmement techniques, nous pouvons nous adapter au style et aux normes de la boxe professionnelle. En passant professionnel, les boxeurs vont pouvoir toucher 80% des gains des combats, les 20% restants étant divisés entre les entraîneurs, les médecins et la fédération. Ce bonus économique sera très utile pour nous. Parce que beaucoup d'entre nous ont des familles, je suis père de deux fils et d'une fille. Donc cela nous aide à augmenter notre statut socio-économique et à résoudre de nombreux problèmes. Les autorités ont annoncé que les premiers combats professionnels devraient avoir lieu en mai. La World Boxing Association, l'une des plus importantes organisations de boxe professionnelle, a déjà annoncé ouvrir ses portes aux Cubains. Voilà donc, Hugues Insouzounon, ce sera tout pour ce Sport Matin de ce jour, n'est-ce pas? On se retrouve demain. Demain, grâce à Dieu. À la même heure. Merci, Hugues. Merci à vous. Insouzounon. Et c'est avec vous que nous refermons 5-6-7 de ce jour. On se retrouve demain, déjà à 6h, de 6h à 9h. Et n'oubliez pas, comme j'ai l'habitude de le dire, la vie c'est comme un bonbon. Sucez-la à pleines dents, mais n'oubliez pas qu'elle peut parfois être parsemée d'embûches. Mais quoi qu'il advienne, on tient le coup. Merci, Hugues. À demain.